Et c'est parti. Là. C'est good. Hop. J'ai juste 30 secondes de couper ça. Je vais agrandir un peu l'image là. Ça, je vois pas. Oh. Non, tu vois pas. Hop là, comme ça. Ça, je vois un peu mieux. Tac, tac, et tac. Est-ce que je suis débile sur ce Discord, moi? Je ne crois pas. Bah si, c'est bon. Tac, tout est good. Hop là, c'est parti. Bon, je sais pas ce que font les copains. Bon, attends, on fait un petit tour de map en attendant. Tac. Donc là, il y a ma ferme avec Alex et Lonsdale. On va aller, c'est ça comme ça. On peut aller très vite comme ça. Hop. Là, il y a une ferme mais qui appartient à personne. Hop. Là, il y a notre ferme qui appartient à la ferme 2, je crois, de mémoire. C'est 2 ou 3. C'est la 2, je crois. Rose. Et rose, 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 c'est la ferme 3. Tac, ils sont ici. Ils ont pas mal de bâtiments. Un stockage en vrac, ils ont du stockage là. Là, c'est un. Ah, ils ont deux zones pour l'ensilage ici, une là et une là-bas. Merci, Lomad, pour ton flow. Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Salopette. Ils ont un bâtiment à vache qui peuvent pas se servir pour l'instant. Ils en ont deux, je crois, bâtiments à vache. Le coup JMP. Comment qui va? J'expliquerai les règles exactes plus en détail quand il y aura un peu plus de monde. Bon, ça va tranquille. Là, c'est la ferme à chicha. Tac. Non, il n'y a même pas besoin d'être mine pour se mettre en fly. Donc, la séparation, tout ça avec les deux champs ici. Tac. Et la quatrième ferme, elle est ici. Voilà. Il y a Tony, il y a Noidea, et il y a Rabbit. Voilà. Et ils ont le petit champ là d'herbe. Et les deux parcelles ici. Vas-y, vas-y, va dire quand ça cheat. Ils ont deux stockages en vrac. C'est quoi ce bâtiment là? Ah, ça c'est les cochons, ça. Ouais, ça c'est les cochons. Les cochons ici. Bâtiment de stockage, stockage. Là, ça doit être les moutons, ça. Non? Si, ça doit être les moutons. Ah, je suis bloqué. Là, c'est quoi? C'est des moutons, ça encore? Non. Si ça me donne l'air, je sais pas si ça a l'air des moutons encore. Oh, il y a beaucoup de trucs à moutons ici. Ouloulou. Après, mouton ça rapporte. Hein. Tac. Et il y a une autre ferme ici, mais qui a personne là-dedans. On trouvait que c'était trop isolé. Mais ça aurait pu être sympa, une petite ferme là aussi. Elle est sympa cette map. Elle est vraiment cool. Tac. Là il y a encore un petit bout de ferme là qui n'est pas pris aussi. Il y a 7 fermes je crois au total. 4, 5, 6, 1, 7, ouais c'est ça. Et nous du coup on est là. Tac. Hop là. Bon, je vais enlever le
x 3, x 1, le speed là. Comme ça, tac tac tac. Donc, nous on a quoi? Des cochons ici, je crois, par chariot, c'est ça. Qu'on va pas utiliser pour l'instant. Il faut 400 000 pour pouvoir utiliser. Les trucs à vaches qui sont là aussi, qu'on n'a pas. Je pense qu'on va pas en... On va essayer d'avoir 700 000 pour acheter les, pour pouvoir prendre des vaches direct. Donc, là, du pétrole, des bâtiments de stockage, le stockage des céréales ici. Encore des grands hangars, là on peut stocker des betteraves et tout ça dedans. Oh ouais. Tac. Ça c'est quoi? C'est silo à grain ça non? C'est quoi ce machin? Je sais pas. C'est un silo mais de quoi? Je ne sais pas. Là c'est pour la porcherie du coup, donc on peut pas utiliser pour l'instant. La fumière, et encore du stockage. Nice. Bon, du coup, les copains, ils vont quoi? On a prévu d'acheter des petits tracteurs. Celui-là et celui-là, je prends celui-là pour l'instant. Tac, 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 tac. On peut y mettre le système de guidage. Hop, voilà, synchronise. Tac. On va prendre la petite remorque comme ça. Hop. Tac. Je vais emmener ça aux chambres. Dites-moi si le son il est pas trop fort, le son du jeu. Ouais, par contre, il y a un truc que j'ai pas enlevé. Hop. Tac. Non. Lente. Par défaut et tout le reste sur ça. Hop, on fera un petit coup de sauvegarde. Pourquoi je peux pas monter dedans? Ah bah oui. Merci pour ton follow, Laura Luciano. Bienvenue à toi sur la team, sur la chaîne de Monsieur Salopette. Avant c'est toujours mieux qu'on marche rien. C'est pas une petite vue interne. Ah, j'ai pas pris mon bâti de fourche. Est-ce que je le prends maintenant ou quoi? Peut-être le prendre maintenant, puis il y aura le bâti de fourche. Ça va éviter de revenir. Bien, c'est con. Celui-là, je vais le mettre en verfent. Ça change quoi ça? Oh non, je vois. Hop, noir comme ça. Acheter. Tac. Le godet. Hop. Tac, tac. Bien, bien, bien. Oh, ça, il faudra manquer de lit. Je sais pas ce qu'ils attendent tous. Je sais pas ce qu'ils attendent. Hop, j'ai bougé cet écran là. Hop là. C'est mieux comme ça. Hop.
peux pas monter mon tracteur, c'est quoi le délire? Pourquoi je peux pas monter dedans? Hop. Tac. Ouais, c'est ma touche E qui est déconnectée, je sais pas pourquoi. Hop. Et c'est parti. On va ramener ça là-haut. Ça va le son de jumpy, il est pas trop fort. Feu. Tac. Oh, attends, faut que j'aille par où? Ouais, si, c'est ça. Là, pour se croiser, ça va être short sur cette map. Hein. Oh bon, bon, bon. Putain, j'ai presque rien acheté, j'ai 400 000. Quoi. 100 000 de partie. Là. Par contre, ça va être saoulant les gens qui s'amusent à quitter, revenir, quitter, revenir, quitter, revenir. Ça a l'air d'être bon. Hop. Salut Andy. Comment tu vas Andy? Avec ton petit casque rouge. Elle est où la route? T'es au bout de chemin en terre, faut que j'apprenne là? Allez, faut croire. Ah non, c'est j'ai de l'avance par rapport à la minimap. Ok. Ah, y'a un petit décalage de minimap. Nice. On le sait après, c'est bon. Hop. Sympathique cette petite map. C'est peu qu'on en voit pour l'instant. Par contre, le Fent. Il galère. Ah putain, j'ai posé la fourche. C'est pour ça qu'il galère. Ah, la fourche était posée au sol, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas checké s'il y avait de la bourrage et tout ça dans le mis en compte avec la destruction des cultures et tout. C'est vraiment pas une map pour le gros matos ça. Hop. Faut que j'aille au champ 56. Salut Alex. Ah. Ouais toi. Ça va. Merde. Je suis en train de me battre avec mon Fendt.
Il a 6 rapports, mais il a 6, 5 groupes de rapports. Ah, et pas de régler ta boîte de vitesse court du coup. Alors, t'es obligé de. Bah, tu passes ça si tu passes ton temps à rétrograder, accélérer, repasser, machin. Ah, taper dans les arbres avec le chargeur aussi. C'est ça. Bah, il est pas drôle le chargeur, c'est pour ça que je l'adresse. Ouais, tu le redresses un paquet de fois quand même. Je suis bloqué avec la pédale d'Oli derrière. Oh, le Kosovar, qu'est-ce qu'il mérite? T'as le chargeur flambant neuf sur, sur le vieux phone des années 90. Ah, un autre arbre. Ah, faut ce qu'il faut. Erreur, on dit. T'as buggy? Ah, bah, si t'as buggy. Si t'as buggy, ça s'appelle un bug alors. Faut que je fasse gaffe à mes SMS, moi. Faut aller chercher mes gars après. Vite fait. Tac, tac, tac. Tac. Ça va, tranquille, tranquille. Et toi? Et toi, toi, mon toi? Oh, il y a veilleuse. Non. Il fait noir. Hein. Vraiment noir. Moissonneuse. Comme ça, je peux pas le GPS sur la moissonneuse. Qu'est-ce qu'on fait la moissonneuse? On l'achète ou on la loue? On l'achète. Je sais pas si vous pas mieux la louer presque. Parce que si on loue la moissonneuse, on peut savoir un tracteur chacun du coup. Le seul problème, c'est que le serveur est 100 x 15. Donc si on loue, ça veut dire qu'il faut qu'on la rentre ça va direct. aller vachement vite. Ouais. Fois 15, Ouais. ça fait 2 jours en 2 heures, je crois qu'on a calculé avec Chizon. Et la pousse des cultures, c'est comment? Bah c'est pareil, c'est Oh, et t'as le... ouais, ça passe quand même, t'as le temps de tout faire avant que ça pousse et tout. Ah bah oui, parce que t'as 8 jours. Donc t'as largement le temps de tout préparer. Oh, ouais. Et y a pas la fanaison du coup. Non, bah non, parce qu'on n'a pas mis le mois de saison. Ah bah l'un n'empêche pas l'autre. Ah bah si, si t'as pas la, si t'as pas, si t'es pas en mode saison, t'as pas de fanaison. T'es obligé d'être Bon en mode saison pour avoir la fanaison. avant tu l'activais ou le désactivais hein, ça, la fanaison Oui, des sur le cultures. 19, mais pas sur le, mais sur le 19, y a pas le mode saison. Bah peut-être, je sais pas. Celle-ci, je la loue. Là, je la loue pour 3000 balles, tu me diras. Est-ce que c'était pas plus le coup de la louer pour l'instant et puis de racheter un champ ou Nous, quelque on chose est comme quoi? On est les oranges, c'est ça? ça? Ouais, on est tout en haut. On est tout en haut. Et le magasin, il est tout en bas, au Le milieu. magasin est tout en bas. Le magasin est Au milieu. le qui allait tout Entre le manquer à prendre. 126 et le 120. C'est ça. Ça après, si on achète des champs autour de chez nous, c'est 165 000, 200 000. Après, il y a pas mal de pâtures. Les pâtures sont pas chères. 44, il est à 93 000. 46, 74 000. Le 40, 70 000. Et les pâtures, t'es obligé de... Faut les labourer pour les repasser en. Ouais, non, mais t'as besoin d'avoir... Non, l'herbe, tu peux le faire comme tu veux, quoi. Ah oui, là, tu fais comme tu veux. Parce que là, les tarifs, c'est quoi les tarifs là?
Tac, maïs, du coup, j'ai dit 1404. 1330. Ça peut être ça. Ah bah, je joue la moissonneuse. Hop, avec la main de coupe à maïs. Pourquoi il y a deux Roselmatch? Ah oui, il y en a qui ont dû en acheter. Ah bah non, il y a une grosse et une petite. Ah non, c'est deux mêmes. Ah, j'ai l'impression que celle qui a ma gauche est plus grosse que celle-là. Donc c'est 2330. C'est un effet d'optique à mon avis. Du coup... Après faut qu'on prenne du semoir et tout aussi. Ouais, bah là... On a fait le calcul avec Fischer, c'est que du... On avait fait calculer pour deux tracteurs, une moissonneuse et que du petit matos, mais vraiment le petit matos. Hein. Ah, les deux tracteurs, deux petits tracteurs du coup. Ouais, le Massé 5S ou 5F là. Et le Fendt que j'ai pris là, le 500. Le Massé qui a 76 000. On touche M, marche plus. Tac. Est-ce qu'on se fait chier à la bourrée? Ouais, c'est ça, j'ai pas regardé. Si le... je les avais activés, tout ça. Le Massé, il a combien, tu dis que 76 000, je crois, ou 75 000, un truc comme ça. Et dans les gros tracteurs, du coup? Non, dans les petits, petits. Après, on n'a pas oublié de prendre ça, on peut prendre autre chose. De toute façon, déjà, on n'a pas acheté la moissonneuse, on l'a loué donc. Ah, le, c'est le M55 ouais. Le MF5S 5S. Ouais, j'ai 68 chevaux comme ça. Ah non, 105, 145. J'ai aussi. C'est déjà. Toi, au début, Chichel, t'es parti sur les tracteurs électriques. Lesquels alors, il était parti? Bah le petit, le tout premier. Le truc électrique là? Non. Ouais, le tout premier électrique. Oh. Ah, chez non, t'as chez non, abuse pas non plus. J'y reste sur du bois normal quoi. Salut Landal, merci pour ton resub. Sixième mois. Re bienvenue à toi. Configuration plus grosse. On t'attend, on t'attend. On ah a ouais, commencé. Pas direct. Après on peut prendre un. Direct à 80, 96 000 pour ouais. Avoir un 145 chevaux. Ou autrement tu prends un moyen. Pour le 5S. Tu prends un moyen au pire, hein, puisqu'on a pas acheté la moissonneuse. Non mais pas de soucis, allons-y, t'inquiète. Y'a pas de mal. En fait je suis en train de me poser la question, c'est 97 000, celui-là il fait 70 chevaux. Ah, c'est le petit casque que j'ai pas mis habituel. 99 000. Je vais mettre là, pour ça le fait moins de bruit. 7810, t'as 5 chevaux de plus. Pour 2500, et tu peux pas le modifier, bah bon, ça c'est un peu con. Il faut prendre le vieux Massé, le 3670. Mm-hmm. Et t'as 170 chevaux quoi. Ah bah vas-y. Je sais pas. Je te dis rien. Je sais pas, faut avoir avec un. T'es comme moi, t'es là. Ok, Lonzal. Bah, il va arriver, Lonzal, je pense. Ce qu'on va faire, au pire, ce qu'on peut faire, c'est s'acheter déjà le matériel de semences et tout. Et on avisera après avec le tracteur qu'on prend, hein, au pire. Parce que là, faut que tu reprennes encore une coupe. La coupe à blé? Non, non, là, j'ai. C'est la location que j'ai fait.
Je l'ai pas acheté. C'est planté en maïs, Vernon? Ouais, on a un champ de maïs, on a un champ de maïs, un champ d'herbe. Est-ce que ça serait Ok. pas rentable de faucher l'herbe? La foutre en vrac dans un silo ou je sais pas quoi. Ouais. Et de foutre le champ après en... Ah bah faut qu'on le bascule directement de toute façon en culture, le En culture, 54. ouais. Mais il va falloir qu'on labour par contre. Oui. Alors c'est pas... Est-ce qu'on se prend la tête à labourer au départ? Et on force plutôt sur le... De toute façon, on n'a pas le choix de labourer là, l'appareil. À moins qu'on peut le cultiver. Je peux le cultiver, je pense que ça sert à rien. Est-ce qu'on se prend pas plus la tête à le cultiver direct? Et ce bras, on va perdre. C'est combien? C'est 5%, 10% je crois le labour. Sur le C'est rendement. quoi ça? Pourquoi il y a une... C'est quoi là le... Ah d'accord, j'ai compris. C'est Kulba qui a dû prendre une mission déjà, je pense. Peut-être. Ce que je viens de voir... Pardon, je viens de voir pop un Arion. Ah oui. Un Arion, la faucheuse Krone, l'endaineur double, après sa boîte carrée. Ouais, ils ont plusieurs à avoir à louer du... Ouais, ils font Ah des putain, missions je... de... Il flotte, je peux pas, hein, si je... Ils ont tous pris des missions pour faire du foin. Ah d'accord. Bah vu qu'il flotte. Mais le problème, je vais peut-être attendre un peu que le temps passe avant de... Ouais, je vois vite fait. Ça, le rendement il va pas être top. Déjà que le rendement il est pas ouf. Ah, j'ai pas fait gaffe autant, bordel. Ouais, c'est ça. Alors, attends un peu, c'est bon. On va laisser là. Tac. On va faire un tour là. C'est de l'herbe, il y en a pas mal. Effectivement, il y a un bordel là. Ah, le fail. Il va prendre le mur. Du coup, on va attendre un peu qu'ils aient libéré la place là. Merde. Alors, pourquoi j'espère qu'ils vont pas lui laisser tout le merdier comme ça en place là, mais c'est... Parce que c'est que ça bouche le spawn pour Bah ouais. certains trucs. Ah, du coup, on fait comment? Bonsoir. Bonsoir. Comment ils vont les gens? Ça va, ça va. Ah oh, putain, il n'y a que du pressage en mission. Tu m'étonnes qu'ils ont pris des missions de presse. Y a que moi qui vont s'allier Niveau mission, à on en écarter. a combien à la fois de possible?
Je crois que c'est qu'une. J'ai pas mis le mode multimission, je pense pas. Je sais plus. Il n'y a que moi qui vois Tali là Oui. ici. Moi je la vois aussi ici, mais de bras normal. Ah bah moi je les vois avec les bras, Hop. elle fait la croix en fait. Y a Chicha qui lague à mort sur son live. Enfin sur le jeu quoi. C'est une émission de pressage, t'en as dans le champ juste à côté de chez nous. 52. Et du coup, nous on est on placé est à où? 20 000. En haut à gauche. Ah ouais. Oh putain, ça qui tout ça? Bah, ils ont tous pris l'émission, mais ils ont tous laissé là. Mais faut qu'on se reprenne un deuxième tracteur du coup. Déjà. T'en penses quoi du coup, Lanzala? Comme vous voulez, de toute façon, moi là pour l'instant je vais pas jouer, je vais aller manger. J'ai pas encore mangé. Je viens de rentrer du boulot. Les journées fumier pas prévues. J'avais pensé au petit massé et au machin, mais si tu prends le petit massé, le 5S, et que tu le montes pour qu'il fasse 145 chevaux, t'es à 80. Attends que je revérifie. T'es à 96 500. Et si tu prends le vieux massé en tracteur moyen, t'es à 170 chevaux pour 97 000. Ah bah autant prendre le vieux massé, hein. Je pense, hein. Ah bah oui. Alors t'as le 7810 à 99 000 qui fait 5 chevaux. Pour les semoirs. Ouais mais si tu ce que je veux dire c'est que si tu prends un tracteur un peu plus gros du dépasse. Ouais j'ai vu. Si tu prends un tracteur plus gros du départ. Tu économises un futur achat, tu peux repousser l'achat du tracteur, tu sais, et ah, prendre oui. du matériel plus gros après, avant de devoir changer de tracteur. Et après, c'est quoi en surfin Tandis de que là, si on change direct, dès qu'on va changer de semoir, on va être baisé. Je sais pas les prochains semoirs, est-ce que c'est lesquels semoirs du coup qu'il a dit? C'est l'Amazon? Ouais, faut 125 chevaux. 25 chevaux, après si on passe sur le Kune en 4 mètres, il faut 220 chevaux déjà. Ouais. Et déjà, rien que pour passer sur l'Amazon, le KG, tout cela. Alors, après, c'est pas utile parce que si tu vois le KG, regarde, tu sèmes pas plus large. Ouais. C'est juste qu'il a plus de capacité. Ah bah, t'as 1000 litres de plus. Après regarde des chômeurs rapides aussi des fois. Oh, 120 chevaux pour 3 mètres en hein, des chômeurs rapides. Des chômeurs à disque. Ouais t'as 140 chevaux, pour 140 chevaux t'as 4 mètres et il fait combien ton fence case? C'est un combien?
C'est un 700, c'est quoi, c'est un 511, 700? Ah, c'est faut... c'est suivant les deux derniers chiffres. Ouais, je vais chercher dans le garage. 511, ça fait 115 110 chevaux. chevaux. Ouais, 115 chevaux. Après, celui-là, on peut le pousser à 150. C'est que le... Celui celui-là, qu'Azona, là-bas? le Ok. 500. Donc à la limite, on pourrait presque prendre le déchômeur à 25 000 en 4 mètres, quoi. Ouais. Si on prend le Fendt... Fin de gaz pour faire ça. Et après, il faut un décompacteur ou une charrue. Après, c'est est-ce qu'on s'embête pas à faire de... utiliser de charrue, je sais pas. 120 chevaux pour un décompacteur 3 mètres. Mais ça fait office de charrue de toute façon. Bah pour nous, oui, mais pas pour l'émission. Ouais, mais est-ce qu'on va prendre des missions de charrue? Tu veux. Putain, 120 chevaux pour un décompacteur de 3 mètres comme ça, mon petit car, il va cracher ses boules. Ah ouais, c'est sacré dent, tu... C'est des cure-dents les trucs. C'est les dents Michel, ça je crois, non? Je sais plus. Bon, c'est les dents habituelles sur les Abyssin, de toute façon, c'est des comme ça. Ouais, bah oui. Ils en ont un comme ça. La file rouge sur le voisin. Avec un peu de chance, tu peux atteler Le le chemin sommoir derrière. dessus. C'est ce que je vois, ouais. Donc limite on ferait tout Désolé de Peter, je pars, Non, mais à ce compte-là, il faut prendre un je gros suis mute, tracteur c'est de... pas grave. Salut chouchou, Bah, comment si le vas-tu? tracteur à quasi fait 150, c'est bon. Mais il est pas en Bah 150 là, hein. il fait que 110. Ah, mais si on le pousse à 150. Ah, mais faut qu'on en ait au moins deux tracteurs. Ouais. Oh, tiens, j'ai de la benne. Ou après, on prend un tracteur moyen à plus de, à 150 Je chevaux. suis bloqué. Bah, t'as le Massey, là, que tu Le disais, vieux qui est Massey, à ouais. 170. 170. Pour le Ouais. prix, ouais, après, je sais pas. Alors par contre, les haies, il y a beaucoup de haies en collision, c'est la merde Oh pour travailler dans les putain, champs. ça va être chiant. Un Ça va moment être où je vois chiant. réaliste, quoi. Bon, Faut être obligé de tourner, faire des tourages et tout ça. Tac. Bon, oui, il a le... en plus, il a le relevage avant, de toute façon. Pour vérifier quand même. Hop. Bon vieux Massey. Bien, tiens, je l'attends ma ligne. Des dieux, des dieux. Attends, alors, quand on vérifie quand même ce qu'il nous en a besoin du coup. T'as déjà la remorque? Du coup, quand même. J'ai tracteur remorque. Il nous faut. Bon, on prend une charrue du coup, quoi, c'est la question en fait. Bah, je pense que sur le début, faut mieux pas se faire chier avec la charrue. On va perdre ces 10 ou 15% de rendement, mais on va le récupérer sur le. Comment ça s'appelle? Sur l'engrais et tout ça, quoi. Non? Ou est-ce que vous voulez Oui, vraiment oui. vous faire chier à chaque fois à labourer? Bon, non, non, pas forcément. Eh ben, mais à ce compte-là, on prend juste une déchaumeuse. Bon, on prend juste la déchaumeur. Un des chômeurs, ouais. Bah, autant le prendre à 4 mètres sur notre tracteur Et puis pourpre, si on prend le vieux Massey. pour le labo, on prendra Un un décompacteur. décompacteur, qui doit ça. Pour le labour de quoi? Bah Si après, tu veux plus pas tard. te chercher à Non, labourer. mais après, plus tard. Là, c'est Ah au ouais. début qu'on se fait pas chier à labourer, mais après, on fera pas la labour quand même. Et ouais, putain, c'est pareil, il y a des pierres aussi encore. Ah, il faut qu'on achète la ramasseuse à pierre. Ouais. Ah, au pire, la ramasseuse à pierre, au début, on l'a Voilà, eu. moi c'est la pierre, faut l'avouer. Pour ce qu'on va faire. Ou alors, ce qu'il faut qu'on fasse, Ah, non, faut c'est. acheter la petite. T'es pas obligé de la ramasser les pierres, tu sais, tu peux les ramasser qu'une fois de temps en temps.
Mais faut les rerouler derrière, tu sais, te mettre un coup de rouleau. Bon, moi je mange. Ça fait prendre le rouleau quoi, à la place des trucs à pierre. Ouais, mais est-ce que les rouleaux ils sont aussi chers que ça? Je suis pas certain. Hein. Cette machine à pierre, un coup de combien? Je sais pas, je vais pas connaître. La La première c'est petite. 25 000. C'est 25 000, ouais. Et les rouleaux, c'est 41 000. Donc la question est vite répondue. Le Bien rouleau? vite. Ouais, 45 000 le petit. Oh. Pas bon Dieu. 41 000. Pas bon Dieu, son machin. Sachant qu'en plus, non, il nous faut la machine à pierre. Faut absolument qu'on l'achète. Pour la chaux. On peut placer le concasseur qui nous fait la chaux. Eh ben on prend la celle à 25 000 du coup. Comme ça On on prend gagne celle sur à un truc quoi. 52 000. Bah attends, on prend la petite, hein. Peut-être pas se faire chier avec la grosse, non? Je sais pas. Parce que moi j'achèterais bien quand même, enfin je prendrais bien quand même les barres de coupe et tout ça, c'est pour faire l'herbe. C'est comme il y a pas mal de prairies, il risque d'y avoir souvent des missions de pressage d'herbe et ça, avec l'enlignage et tout, et c'est ce qui risque de rapporter le plus quoi. Ouais, mais après, est-ce que on gagne pas plus à louer le matériel du coup? Ah Parce que oui. si tu regardes le matériel qu'il a, Oui, c'est vrai. location, j'ai regardé la mission tout à l'heure, la location du matériel c'était, je crois, 700 euros, un truc J'ai comme juste un ça. pied pour ton level up. Ouais, ça va, c'est vrai que pour les missions, faut mieux Ouais, louer j'ai que pas se vu faire la chier, quoi. mission. Tiens, il y a une mission à Ah, mais. 26, 20, à 20 000. T'as Après, 746 euros de location. pour le matériel de fenaison, peut-être attendre, vu que tout le monde fait une mission de Ouais, attends, fenaison, et puis là, je te pour rabais. avoir des. En occasion, ouais. Et surtout que le temps en accéléré. Ah, oui, c'est ça qu'il faut checker, les gars. Comme le temps en accéléré, faut. C'est toutes les 6 heures, je crois, ou les 12 heures, ça change le matos qui est en promotion. Bon, moi je vais manger, je reviens. Et ben là. Merci. Et dans 5 minutes, on le revoit. Oh, j'ai hâte de manger. On va dire à bon app. Je t'emmerde, Kaz. Ah putain, Tu vois, d'habitude. il est revenu. Hop. Alors, bon, alors, quoi? Donc on a dit déjà, on prend des chômeurs en 4 mètres. Bon bah je crois qu'il manque la moitié des choses. 140 chevaux. Ouais bah oui. Bon, allez, la moitié du champ de bouffe déjà. Et 25 000. Alors je vais t'abandonner 10 minutes Alex. Je vais te Ouais. laisser raconter des histoires sur le live pour meubler le live. Je vais chercher mes gars. Je vais Je prendre reviens. le. Du coup, je prends le. Du coup, je prends le massé, hein. Ouais vas-y vas-y vas-y. Bah où il n'y a pas un petit. Enfin un moyen qui serait à peu près dans la même prix. Attends, je vais regarder vite fait. Un moyen qui serait quoi? À peu près dans la même prix que le massé, non? Oh non, c'est 120 000. Ah si, un. Bah, il y a le John qui a 2 000 au-dessus, quoi. Autrement. Que l'autre, là, le power shift là, 87 000 en tracteur moyen. Le power shift. Ouais, le MF 3 3670. Mais c'est celui-là que je te parle, moi. Ah, d'accord, ok, vas-y, prends-le. Ouais, j'en reviens. Hop, moi j'en reviens, les gens, vite fait. J'ai juste cherché mes gars et je suis de retour. Ah, de chouette.
Et re... Ah ouais. Et tu sais qu'on est tous aussi cons. Pourquoi? Bah on se prend la tête là. Pour les thunes. Bah parce qu'on peut faire un emprunt. Bah oui. Qui c'est qui est auprès de chez nous là? Ah, qui t'ont compliqué ton champ Quoi, le champ 52? à... Oui. Ah, tu fais une entame en plein milieu. Hein? Tu fais une entame en plein milieu. Ouais. Attends, je comprends pas, moi j'ai mon... J'ai ma touche A qui marche plus. Monter le véhicule, c'est bon. Là, si on s'en fout. T'as pensé C'est à où ça? l'emprunt quand dans la voiture? Dans la voiture, hein? J'ai merde, putain, mon dégon. Tac. Du coup, on a presque pu prendre des plus gros tracteurs. Du coup, la ferme, c'est la ferme à côté, avec un nouveau, alors. Ouais, C'est ça? ça ferme qui est juste à côté des champs. Elles étaient déjà installées, ces fermes-là, du coup? Ah Il y a ouais, plusieurs fermes c'était... sur Non, non, la carte. vas-y. Ouais, il y a 7 fermes en tout sur la carte. Du coup, t'as acheté du matos, non? Ce que j'ai acheté, j'ai ramené. Ok. J'ai acheté le déchaumeur et le pissoir. Bon, je vais me Mais mettre à du les coup, cheveux bien. on aurait pu prendre d'autres trucs, mais tant pis. Et bah, j'ai ramené le tracteur avec. Par contre, j'ai pas pris, il faudra qu'on retourne avec pour récupérer des semences, quoi. Ouais, des Ou est-ce qu'on semences, des place masses, il y a directement besoin. à la ferme un truc de semences qu'on peut placer, non? Ouais, je pense qu'on peut placer quelque chose. Est-ce que ce serait pas rentable presque de placer ça à la ferme directement? Vu qu'on est assez loin et on va perdre du temps à aller chercher à chaque fois l'essence. Pareil, je pensais tout à l'heure, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'on achète une sarcleuse plutôt qu'un pulvée? Pas possible. Ça doit être moins cher du coup. Allô? 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 Bonjour. Ça va t'es? Ça va chaud? Alors attends, parce que j'ai le son en couille là. T'as rêvé des misères, hein? Non mais j'arrive pas à gérer le GPS, enfin il marche pas. Ça, tu sais pas faire. Faut que je passe le son. Alors attends, bouge pas, c'est pas... Ah oui, mais j'ai pas de tracteur qui est le GPS, moi. Tu l'enclenches normalement avec c'est comment c'est lequel de GPS c'est C'est le une note sur ton ATC véhicule, là? ouais. Ah mais moi le problème c'est que moi c'est déjà j'ai tout reconfiguré parce que les halt moi c'est Nvidia donc ça m'active les menus Nvidia, ça m'active pas les menus du jeu. Donc là j'ai tout mis en contrôle S tout ça là. Hop. T'as reconfiguré le GPS? Oui, il touche parce que quand je fais moi alt, en fait, quand je fais alt, ça me met le menu Nvidia. Ah ouais. Bon, c'est pour ça au début que ça marchait pas. Là, j'ai réussi à afficher le menu de guidage. Et Ouais. bah, si t'as réussi à l'afficher, c'est que ton truc il est activé normalement. De Et toute après, façon, tu demandes pourquoi ça ton. marche? Si ton GPS est activé, t'as l'icône qui est allumée en vert à droite de ton écran. Ouais, moi, c'est en bleu, ouais. Moi, j'ai Enfin, les deux vert ou premières bleu, je sais icônes en bleu. plus. Attends, Pardon, c'est ce qui est activé. j'achète un... Je rachète un tracteur ou pas, les gars? Bah, Comme prends le tu veux. massé, non? Je l'ai pris déjà le massé. Tu l'as pris? Ah, tu as pas mis GPS dessus? Ah non, j'ai pas mis GPS dessus. Oh.
Je vais être malheureux moi sans GPS. Ça t'occupera. On va t'acheter on va prendre un McCormick. Ouais. Tac. 180 chevaux, je le mets à fond ou pas? 240 chevaux. Non, on met le pas à fond tout de suite. Tac, donc attends, je vais te mettre. J'ai pris le machin, hop, j'achète. Bah au pire, Kaz, je vais lui voir sur le live. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté. Tac. Il y a rien qui marche bien. Donc là, quand t'es dedans, je sais pas si c'est sur mon live. Tu crées tes traces en fait. Avec ce GPS là. Une fois que t'as créé tes traces, c'est bon, t'es tranquille. Là j'ai fait j'ai des poliers. Tiens regarde, regarde sur mon live plus bas. Attends parce que j'ai mon tracteur qui a bugué. Ah c'est bien, attends. J'ai une ligne devant moi là. Ah jolie la ligne. Ah bah c'est bon, c'est une ligne. Tu fais ce, faut que tu mettes par rapport à ta largeur, largeur automatique. Ouais ça j'ai fait. J'ai cliqué sur largeur automatique. Après tu fais le petit S, le petit serpent là, avec la crémaillère là. Ouais, après, je regarde sur mon live. Ah oui. Tu cliques là-dessus. Et ah là, ouais. Après, t'as mode de guidage ABLing, ça tu le laisses. Ouais. Et t'as type. Eh mais je suis le con, type moi, c'est A et B. Et ben ça tu ouais. Le changes. Tu A mets plus B, A ouais. Plus direction. A tu mets juste A plus. Non, plus direction. A plus direction. Comme ça, tu fais. Tu laisses comme ça. Et moi. T'avances. Tu vois, ça fait une ligne. T'arrêtes. Ah, c'est. Ok, parfait. Et après tu te mets en guidage automatique et normalement ça te crée des lignes. Ouais, là ça ne le fait pas parce que j'ai pas le j'ai pas d'outil mais lâche-moi. Contrôle X. Ouais. Quand je fais contrôle X, ça me ferme ma moissonneuse. Je vais ramener. Contrôle X. Attends, je t'aide. Alors en fait ça me ah oui, mais c'est t'as modifié oh, les. Putain, mais ça commence bien. T'as modifié les trucs toi. Il en chie comme possible. Oh putain ouais. Parce que normalement, contrôle X c'est quoi que tu as Ctrl X, ils en font du bruit. Tu veux j'arrive. Non, ça va aller. T'es sûr? On va les baisser va un peu. Il va m'emmerder jusqu'au bout celui-là. Hop. Attention à descendre de pas t'emballer hein, parce que hop. Ça va pousser. Hein. Là, comme ça, je l'appelle. Il veut forcer les vitesses à passer. Ça te ferme la moissonneuse, c'est bizarre. Ouais. Ouais, puis si tu fais courir, c'est que t'as changé la touche. En fait, faut que tu mettes une touche qui te sert pas. Faut que tu fasses un contrôle K ou un contrôle L, un truc comme ça, tu vois. On peut pas mettre des boutons souris. Quel dommage. Oh, c'est chiant ça qui veut pousser les vitesses. Ah, il. Et ensuite j'avance. Après t'avances, ouais. Une fois que tu l'as mis sur. Il va rester sur sa ligne. Il reste sur sa ligne. Après tu mets en. Tu fais normalement c'est CTRL Z ou ALT Z pour mettre le guidage automatique et puis il suit sa ligne. ALT Z ça a l'air de marcher. Bah c'est CTRL Z alors. Bah tu sais quoi? Il y a un autre tracteur de dispo. Attends bon, je vais te dire exactement ce que c'est. Alors normalement c'est Alt C pour le mettre en route, contrôle, ouais c'est ça, c'est attends. Genre automatique, déterminer ah non, un point. Ah mais il est bugué, c'est pas possible. Guidage automatique c'est Alt X, normalement. Ah cherche pas dans ce date, j'ai trouvé pourquoi il fonctionnait pas le tracteur. Pourquoi? Bah il y en a un qui a oublié de brancher flexible. Ah bah c'est malin. Oh y'a un chicha bon, en face de moi. Ok. Bah Colbit si t'attends après chicha t'es mal barré. Ah, l'air c'est de marcher. Hey, c'est dingue. Après ce que je disais à chicha hier, si jamais t'as le bug du... que t'arrives en bout de champ et que tu désactives ton guidage automatique et que ton tracteur continue d'avancer tout droit, tu le réactives et tu le redésactives. Tu réactives le... Il est en seul. Non non, c'est que normalement quand tu l'actives, les roues elles tournent pas. Et c'est un bug, ça arrive de temps en temps au bout d'un moment qu'il reste en. Enclenché. Enclenché, mais ça enfin, quand tu le désenclenches, ça fait comme si c'était un ouvrier qui travaillait mais qui il va toujours tout droit. Tu vois ce que je veux dire?
Quand ça te fait ça, bah et que tu peux pas tourner ni rien, bah tu le réactives et tu le désactives. Ça marche pas. Attends. T'es arrivé où, Alex? Ah, ça y est, il marche. À vider. Ah, t'étais plein? Ouais. Bon, j'ai réussi! Bah voilà. Ok. Merci, les gars. De rien. T'as acheté l'arme à sous à pierre, Alex, non? Non, non. Moi, je vais l'acheter. Je suis là. Et du coup, pour le champ d'herbe, on en fait quoi du champ d'herbe? On loue ce qu'il faut, on fait le prêt du coup. Et après, le champ d'herbe, on peut pas le labourer et puis se mettre dedans. Ouais, mais est-ce que ça se récupère pas l'herbe avant? Ah, si, on récupère l'herbe et puis après, on le fout en l'air. Ah, bah oui. Ouais, si on a oublié le prêt. Je prends ça tout le prêt. Hein. Ouais. 500 000 de près. Ah, ça me saoule que mon touche ne marche plus. Ça lagouille un poil quand même. Hein. Oh, mais je suis fluide. Bah, moi, je suis à 30 ms sur le serveur là. Ouais, moi aussi, je suis à 30 ms. Je pompe pas en fait de. Non, pour l'instant, non. Un pet de lag. Ah, je le couche, je la loue là. Part de couple. Enfin, la barre de fauche. Hein? Il y a un point au-dessus de la map, vous l'avez vous, non? Un point au-dessus de, au-dessus de la map. Au-dessus de la mini-map. La ronde? Ouais. C'est un triangle, c'est pour t'indiquer le nord. Non, non, moi j'ai un point comme un message, comme une bulle de texte avec. Ah, c'est. Si, fêté. Ah, c'est parce que t'as un message entre guillemets non plus. Ouais, c'est que. Ouais, c'est ça. C'est drôle comment ça marche mieux quand t'as les flexibles branchés. Puis on était tous les deux comme des cons à chercher ce qui se passait. Bah, tu sais, oui. Je faisais ça, puis d'un coup, je regarde derrière, tu sais. Parce que je voulais le dételer en fait, ça me saoulait, j'ai dit je vais le dételer et puis je vais aller chercher l'autre. Bah moi j'étais en train de chercher, ramener l'autre. Et bah je dis bon bah merde. Et je dis bon machin, et j'arrive et là je vois les flexibles posés sur le timon, je fais ah. Ouais, il y a un petit problème. Avant là, mais... Par contre ça c'est totalement débile, hein, parce que le jour où les flexibles vont t'empêcher de rouler... Il y a un problème. Surtout que là-dessus, je suis pas certain que t'as des freins pneumatiques. Hein. Ouais. Passerait les grosses bennes avec des freins pneumatiques. Bon, par contre, il est à moitié bugué en termes d'accélération. Il y a Chicha qui pète un plan avec le manuel attaching. C'est drôle à voir. Avec quoi? Avec le manuel attaching. Il y a plein qui vont dire faut les enlever, c'est le bordel. C'est vrai, ça va être ça. J'ai sûr obligé. Ah, déjà, j'étais sur son live tout à l'heure pour faire la moissonneuse, il a fallu un quart d'heure. On a récupéré d'autres trucs du coup. Bah je reviens avec j'ai loué la faucheuse là puis là j'ai acheté la machine à pierre. Comme ça au pire on pourra prendre le. On a cherché la machine à pierre du coup. Non, je l'ai. Faut peut-être prendre une auto-chargeuse, peut-être du coup pour ramasser l'herbe, non? Il va falloir un décompacteur pour labourer le maïs. On a un décompacteur, à la ferme. Vous l'avez pris? Ah, j'ai pas pris moi. Si, si, si le décompacteur. Ah non, pas le décompacteur, on a pas pris le décompacteur. Là, on a dit qu'on labourait pas du coup. On laboure pas, mais on va perdre en rendement. Ouais, mais tu vas perdre que 10%. Je sais pas. C'est 10%, 10 ou 15% je crois. Bah après on peut, comme on a le prêt maintenant, on peut prendre un décompacteur, y'a pas de problème.
Grissom. Ouais. Avec la tâche derrière, impeccable. Là, bah, tu testeras si on peut l'atteler ou pas directement derrière. Il fait combien celui que t'as pris, Kaz? Je sais pas, je crois qu'à fond il fait 240 chevaux, mais je crois qu'il est pas, il est, je l'ai pas pris à fond du coup. Il doit faire 180. 188. Ouais, 190, ok. Bah, pour le décompter, il doit aller dessus, non? Au moins, c'est une boîte vario déjà. Ouais. Mais si je suis pas fan, on voit des boîtes vario, mais là, dans ce cas-là, dans le jeu, je suis fan. Ah bah tu peux le mettre, tu peux les mettre en, t'es en manuel toi de toute façon, non? Moi? Oui, non toi, en automatique toi. Je suis en automatique moi. Ouais. Mais l'automatique sur le fen c'est une catastrophe. Non? Ouais, ils veulent branler, ils essayent de passer la vitesse au-dessus alors que il y a pas de course. Ouais. Putain, c'est vrai, j'ai plus la touche. Attends, j'ai marqué dans le chat, j'ai demandé si ça va les gens avec le manuel attaching. Tu vas me faire rager. Une mission dans Ribanage qu'ils ont pris, Chita ou... Ouais, c'est, ouais, je crois. Ouais, je pense. Ouais. Parce que ça sent bien la... Ils ont pas pensé de pirouetter avant et... Ah, j'espère que c'est dans Ribanage. Ah, moi, j'espère que c'est du foin. Ça s'ouvre pas ça? Apparemment, on délactive pas, c'est marrant le numéro de chien. Bah, j'allais chercher le. Ça s'ouvre pas ça. C'est pourtant mieux ça. Ah, quelle bande de sadiques. Je cherche le décompacteur. Y a quelqu'un qui peut ouvrir le portail numéro 55? Ah bah je suis parti de la ferme moi. J'ai l'impression que le 55 en fait c'est là. Si pourtant on peut la récolter non? Je peux monter sur... je peux rentrer dans le Mac. Tracteur. Ouais, dans le Mac en Mac. Attends, je fous le tracteur sur un côté. Je fous le tracteur sur un côté. Quel côté t'as choisi? Ah, un petit coup de freeze. Ah ah! T'as le but, tu peux pas le voir? C'est une collision? Ouais, c'est une collision. Ouais, je pense, ouais. T'as pas une touche R ou un truc comme ça? Pas une collision. Pourquoi on peut pas l'ouvrir, c'est quoi? On peut pas le passer à travers la live, c'est tout. Bon, il va te passer à travers Brigitte. Après, je vais peut-être pas prendre le McCormick pour faucher, ça serait peut-être un peu gros. Bon, ça sent pareil, hein. Tu t'en fous. On aurait peut-être besoin pour passer des chemins, faut le décompacter. Par contre, ça va être un peu con si on pouvait en passer. Salut ArthurCraft76, bienvenue à toi sur la chaîne de Monsieur Salopette. Peut-être un autre. Oh, bah on peut passer à travers les, donc c'est bon. Ouais, mais c'est débile. Bah ouais, c'est bizarre. Gaz, il faudrait l'autre GPS, mais le GPS là il va faire un bien. Bah, pilote, c'est pas un. Il est pas sur modèle, l'autre.
Non, je crois pas. Pourtant, c'est comme avant sur 19, hein. Quand même le bord des routes hein, parce qu'ils sont mieux de la route qu'ils ouais. Ah, t'as pas fini. ça serait bien ça dans le jeu qu'ils mettent. Tac. Comment vas-tu pour ta perte, bah, mode pendant une période, j'avais joué avec un mode sur 2015 ou quoi. Un brouillard d'accotement. Un brouillard d'accotement, ouais. Tu peux brouiller l'herbe le bord des trucs. C'était pas une machine orange, jaune, là, je sais plus la marque. Rousseau, c'est une... Une épareuse Rousseau, je crois, marron. Ouais. C'est ce que Rousseau, une Remat, je sais plus. Ouais, j'irais plus une Remat, parce que Rousseau, c'est bien jaune, j'en ai une bleue, c'est ce que j'ai. Oh, ça va, tranquille. Ouais, y a des chances. Tranquille. Les trois quarts des mecs qui font du voyage... Ah bah moi par chez moi c'est plus bien du Rousseau quand même. Même en entreprise. Ouais. Bah ouais. Après ça dépend, si ça se trouve t'as Rousseau qui était pas très loin. Ouais peut-être aussi. Nous on a pas énormément. Ah putain j'ai bien ouvert, ouais c'est bon. Taïnette. Mais ça fait beau. Une épareuse. Ah bon. C'est une marque d'épareuse qui est le fabricant, il a. Allez, 30 km de chez moi, 35 km de chez moi. Ah ok. Tu fais du super, c'est du super matos quoi. De l'herbe. L'herbe de la... exposer les... Quand t'as goûté l'herbe ça, de la prairie. Retourner sur un autre truc. Ah, par contre... Moi j'aimerais bien essayer, c'est un lamier. Ah, ouais. Ah oui, je suis con. Ouais. Mais par contre tu vois où tu passes. Putain. Je la fous, j'ai pour la ramasser directement comme ça. Faire des lagages quoi. Ouais, ou des grossières vachement. Ah ouais, mais attends. Ça peut être entretenu depuis un moment. Attends, je crois qu'on a pas le droit de faire de l'herbe, les gars. Mais pourquoi? Je crois qu'elle fait partie des cultures, faut qu'on. Qu'il faut même acheter, si je crois. C'est un champ déjà tout fait? Ouais. Mais ce qu'il y a. Il y a que la mission, je crois qu'on peut prendre. Ah non, c'est bon. Ah yes, j'ai fini de moissonner. J'ai super. Mais ouais, c'est. La vie, ce qu'il y a, c'est que ça t'as rien de broyé derrière. Ouais, non, t'as obligé de repasser au broyeur. Ben, t'es con. On peut plus. C'est pas top non plus. Ou alors, pour faire un gros feu de joie avec un crocodile. Y'a quelqu'un qui prend une autochargeuse, les gars? Ah bah, je peux la prendre. Je suis venu chercher le. Bah, je vais terminer. On la loue. Bon, on la loue. Hein. À moins qu'on s'en serve pour le blé et tout ça, enfin la paille et tout. Alors, on a de quoi stocker la paille en vrac. Bah, on a des bâtiments, on a pas mal de bâtiments. Hein. Ah, on la pose par terre, tu veux dire? On la pose au sol, d'être tout dans un temps. Ça va pas faire trop si on fait tout ça se merder, mettre sur des tas, donc je sais pas. Ouais, si ça va pas faire bruit. Bon, autrement, là, on va faire mesure, de toute façon, on a pas de. On a pas de. Français la merde, tiens, je regarde le chat et je fais un 30 ouais. Ou j'en prends une plus grosse. Bon, comme tu veux, je m'en fiche. Personnellement, 23 mètres cubes, 17 mètres cubes. Tiens, ça fait cher du mètre cube. Tic. Attends, genre. Hop. Après le champ, de toute façon, on le transforme en. Enfin, après, on va le transformer en champ. Quoi. Hop. Tac. Bah, tu vas rechercher tes tuyaux toi ce soir, Kaz? Ah, ça y est, c'est fait. Y'a Ben qui est tout seul dans sa ferme. Bon, moi y'a personne pour l'emmerder. Maintenant, ça dit pour l'avant mercredi, puis je sais pas quand est-ce qu'il y a. Je sais pas si Ben est là ce soir ou pas. Bah, aller sur le live, déjà, parce que j'ai tout à l'heure sur ma magicien.
Ouais, c'est le dernier ça, c'est le 22. Attends, je peux faire ça normalement, non? C'est quoi, c'est Alt H? Non, Ctrl H, Ctrl O? Non, c'est pas ça. Hop là. Salut Red Bull, merci pour ton flow. Bienvenue à toi sur la chaîne de Monsieur Salopette. Hein. Eh, mais c'est que tu serais vite emballé quand même en descendant. Hein? Tu étais vite emballé en descendant. Hein. Ouais, clairement. Voilà, ça va être un mois 100% farming quasiment, les gars. Hein. Ouais, je vais prendre la Stratman à 46. Mercredi ou jeudi prochain, il faudrait qu'on voie pour faire le boss de Genesis avec. Ouais, c'est ce que j'ai vu l'autre coup sur. J'ai dit que moi j'étais là pour la cette semaine, comment fin de la farming commence. Ouais, ouais. Je vais faire une grosse semaine de farming. Mais faut qu'on voie avec lui aussi pour l'émission comment ça se passe, parce que. Si c'est un gift de mission pour. On pourra faire les boss. Bah. On ferait toutes les missions de notre côté. Ça serait pas un guide de mission, mais je pense pas qu'ils vont tout faire. Je l'achète du coup la l'auto-chargeuse, ouais, vas-y. Depuis quand je peux pas vider un silo, la ferme. Regarde le côté de déchargement. Ouais, ce que je veux dire. Parce que je suis côté gauche, j'ai mis côté gauche tout à l'heure pour pouvoir décharger. Ah. Hop. Ah oui, ça va mieux. Allez, dingue, maintenant on faisait un tour, c'est plus simple. Bon, il en reste un peu, c'est pas grave. Oh, si jamais en culture on tombe sur le bois, je vais vous dire qu'il y a de la tronçonneuse qui va jouer. Oh, mais faut qu'on fasse très propre. Hein. La prise électrique de l'autochargeuse est plus grosse qu'il est flexible. C'est sûr qu'il n'y a pas 24 volts. Les flexibles, ils sont pas gros. Hein. J'exagère, elle est pas plus grosse, mais largement. C'est si, là, j'ai mon collègue qui est parti chercher dans l'autochargeuse. C'est trop costaud. Hop. Alex, tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de flexible d'air sur la remorque. T'as la main rouge et la main jaune derrière sur la remorque. Ah bah j'ai pas. Oh bah tiens. J'ai bu mon café moi en fait. C'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait les attaches d'air dessus. Pour s'abuser par contre des freinages. Hein. Ah, dis bon, en Allemagne ils mettent 2-3 remorques comme ça qu'une la note. Hein. Ah bah ouais. Allez, café pour la bouche. Désolé, j'ai fait un peu de bruit. Hop là. Un petit souci parce que le frein que t'as il a pas le freinage automatique. Oui, il y a les mains dessus, il y a les mains jaunes là-dessus, je les vois. Ils sont en dessous du relevage. Ça passe. Le jour où tu verras des fentes des tracteurs ces années-là avec un freinage pneumatique, il faudra que tu m'appelles. Bah. Salut Raptor. Nous on est parti sur. Pour l'instant on fait du pognon. Enfin, on fait du pognon. Qu'est-ce qu'il fait on là on prépare nos champs quoi, pour pouvoir faire du pognon. Qu'est-ce qu'il fout de notre ferme, coup de bonne. Ça monte. Et après en fait le but du serveur là, on est 4 fermes. Oh. Oh, par contre ça va être selon les mecs qui s'amusent à se déco, c'est trop cool. On est 3 joueurs par ferme. Et le but, on a le droit de faire tout ce qui est céréales de base. On a le droit de le faire.
Et tout ce qui est pas céréales, on va pouvoir le faire. Putain, le fun qui m'énerve. Là, je suis avec Alex et Lonsdal. Le football, il est en Angleterre ou comment ça se passe? Ah, bah déjà, il passe à travers notre ferme et tout le bordel. Du coup, j'ai fait stresser. Ah, mais sérieux Il va finir sur le dos, c'est pas fini. Il va nous chercher. Il va nous chercher, il va nous trouver. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah. Ouais, on a même pas le temps d'y attendre. Oh. On a même pas le temps d'y attendre. Je suis pas attendu une seule fois. Oh, je suppose qu'il a dû couper les serveurs, gilet de toute façon. Marché. C'est... Ben, j'avais dit qu'elles sont à la base. On voulait pas faire ça tout de suite. Ça, c'est 120 chevaux, je crois. Hop. Ouais, mais je vais voir si je l'attelle sur le semar. Ah, ouais. Et du coup, après, faut qu'on fasse un tourner un. T'as une sorte de loterie. Enfin, on fait un tirage au sort pour. On paye 400 000 euros le tirage au sort pour savoir quelle ressource on va te faire. Hein? Un Anden poil. Donc patates, betteraves, coton, bois, copeaux, peuplier. Si on peut faire que du peuplier, du copeau de peuplier ou autrement faire du bois. Bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Canne à sucre. Tout ça, ça coûte 400 000 balles de tirage. C'est sûr 400 000 balles, autrement on donne 700 000. Faut qu'on paye 700 000 pour choisir directement notre culture. La culture qu'on veut faire. Et pour les animaux, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas payé 400 000 euros pour pouvoir faire le tirage au sort des animaux, on peut pas les faire. Ça marche quand même, c'est pas grave. On dira rien. Ouais, il coûte cher le tirage au sort. LOL! Là, je pense qu'il faut aller dans les lignes de code après directement. Ah putain. J'ai une de code directement les serveurs, mais non, j'ai pas trouvé. Je crois que quand je me suis pas. Je me suis pas trop abusé à. Je peux pas les flexibles. Oh, pardon. Voilà. Je me suis pas trop amusé à chercher tous ces trucs là. Je vais faire ça comme un gourin. T'as vu la machine de porte? T'as pu mettre la prise de porte du coup? Ouais, mais j'ai pas réussi à mettre les flexibles. Tu l'as chopé d'où la prise de porte, t'as vu non? Bah. Quand tu te mets là au bord, t'arrives à le choper, mais pas tout le temps. Là, j'arrive à l'avoir. Tu l'as pas partout. Mais le pire c'est flexible. Un silage, ça se vend combien un silage? Tu me parlais d'un silage tout à l'heure. Tac 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 tac, c'est où? Un silage. Allez, go faire de l'ancillage au pire. Bon bah Kaz, il va me faire mon tracteur s'il te plaît. Ton tracteur? Quel ton tracteur? Le McCormack. Ah, vous mettez quoi comme plaque au fait au véhicule que vous les achetez? Ouais, bah moi j'ai pas encore acheté le véhicule, donc c'est bon. J'ai pas mis de plaque. Moi j'ai laissé les barges. Moi. Tu l'as chopé d'où du coup la prise de force? Bah, regarde, essaie de la choper, bon. Tu verras. Je fais ça comme un sac, moi. Moi je l'ai là où je suis. Et quand tu regardes, ta main elle est limite sur l'angle du semoir là. Ici. T'as la barre, non? Et après. Non. Désolé, je parle un peu du nez, j'en ai un peu pris. Là, je l'ai aussi. Quand tu te mets en face, tu regardes la troisième dent. Hop, ton centre d'écran sur la troisième dent. On
Vous faites quoi avec vos machines, vous là? T'as besoin de mon du tracteur, toi, du coup, hein, Lanzan? Ouais. Je vais aller semer. Et tu peux pas semer avec un autre? Bah, je vais faire des compacteurs avec son tentative semoir. Et? Bah, le petit massé, il arrive pas. Le petit fente, il arrive pas à tirer. Oh non, merde, il fait spray. Hein. Ah non, je sais pourquoi. Pas. Non, moi je vois pas de quoi tu parles. Si, si, je vois très bien de quoi je parle. Moi. Monsieur n'a pas son GPS, il est perdu. Voilà, non, j'ai quand même le tracteur, il arrive pas à tirer. Là. Je fais même plus la dételée, je la vois, je fais pas la dételée. Pieds, tu me. Pourquoi tu plies pas là? Oh. Ah, maintenant je l'ai plus moi. Ah si, là. Voilà. Ouais, bah, va faire foutre. Que ce soit baissé, à mon avis. Non? Tac. Bon, ah, ça me saoule qu'il me touche. Ah, il marche pas là. Tiens, Kazo, je vais ramener ton tracteur. Bah, t'as rigolé, je chevauche pas avec le Fent. Je prends l'autre. Oh, ils mettent des passages, ils savent même pas les ouvrir. Non, le portail, je sais pas pourquoi le portail il s'ouvre pas. Cadeau. Ah, enfin, facteur. Putain, elle m'a touché eux là. Et du coup, on a seulement ça à la ferme. Non, on n'a pas de semence, attends. Ah oui, c'est les vieux tracteurs. Hein. Les vieux tracassos. Vous êtes moins 56% et j'ai 56 000 euros. C'est quoi comme vous êtes heure? 171 chevaux. Ah ouais. 56 000. Ah oui, bah on peut mettre ta petite fourche dessus. Ouais. Et bah au pire on vire le petit Fent. Hein. Ah moi tu veux virer l'autre McCormick mais. On va plus le flou que on va faire le fent et puis on rentre. En même temps, tu peux prendre un plateau et ramener de la semence s'il te plaît. Ah oui, je voulais placer le silo de terre. Ah, les silos de semence, les amis, non? Non, non, mais il y a les silos de base, t'as les gros silos là. Ah, oh, au pire, on fait ça ouais, aussi. Ouais, 241 000 de nouveaux véhicules. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Putain, on va pas booster là. Bah merde. Qu'est-ce que tu nous as foutu, Alex? Bah rien du tout, j'ai pris le Zetor à 170 chevaux. Qui était à 56 000. Et là, il y a 133 000 à revendre dans notre magasin. Bah écoute, faut regarder les échappes, finances, c'est où les finances? C'est pas celui-là. Tu l'as mis où le... Ah, il est là. C'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça. Tu l'as mis où le silo de salle? En train de la ferme. Juste derrière le silo à... Pourquoi on a perdu autant d'un coup? Bah ouais, je vois pas pourquoi. Bah y'a un véhicule que t'as acheté, 200 quelques mille. J'ai acheté le tracteur à 56 000 moi. Enfin 58 000 avec le chargeur. Et le Zetor il fait 130 000 9. Et ça a enlevé 230 000 ou je sais plus combien. Alors est-ce qu'il y a eu un bug et ça avait pas décompté les trucs qu'on avait acheté avant? Ah. Bah je trouve bizarre quand même après. Là on n'a pas 600 000 de matériel. Ah bah rien que
Le fent et puis le. Attends, j'avais pris quoi tout à l'heure? Le fent et puis la remorque. Avec le bâti de fourche et le godet, ça me faisait 100 000. Moi. Ah, bah attends, le Massé, le McCormick, tu l'as payé combien? Le McCormick, 143 000. 143 000. Ah non, plus cher que ça, je l'ai acheté. Le McCormick, il est où? 170 000. Ah, c'était ça, il avait peut-être pas décompté tout à l'heure. Je prends 5000 litres de semences. Vas-y, remplis le silo carrément. Hein. Je revends le fen du coup. Attends. Ouais. Ouais, bah attends. Oh putain, bah, touche eux qui. Le fen va nous payer le détor. Tac. Le détor, plus ça tire, plus ça tord. Non, Zetor, ça casse pas, ça tord. Quand j'ai, quand j'ai pas tort, j'ai raison. C'est ça. Oh putain. Est-ce que tu peux prendre des masses? Des masses, oui. Oui une masse ou deux, comme ça, si t'as un plateau, je sais pas quoi, tu les mets dessus, puis tu reviens. Ça dure vite. Le plateau, je prends quoi du coup? Bah, le plateau à paille, il revient. Là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, on sème quoi alors? Bah, ce qu'on a le droit. C'est ce que j'allais regarder. Soja, bah tout ce qui est céréales. Soja, blé, orge, avoine, colza, maïs, sorgho. On va mettre du soja. Ouais, bah ce qu'on peut quoi, ce qui rapporte. C'est bon. Tu peux. Bah attends, peut-être le ramener à la ferme. Peut-être leur. Attends, je vais réinitialiser le tracteur Alex. Hop. Ou quoi, ils sont où les plateaux? Bah, les plateaux. Ils sont quoi dans la chargeuse? Non, plateau. Balle. Chargeuse de balle, c'est ça. Presse ouais, à deux... hein ah, non. Non, chargeuse de balle. De balle. Je prends un, ouais. Je prends un des Roland du coup. Ouais, si tu veux. On le laisse lui porter. Ouais. Ou sans fourrage. Je mets l'auto-load dessus. Non mais y'a un souci, parce qu'on était pas à ce prix là tout à l'heure. On a une couille avec le Zetor. Ce que je trouve bizarre, moi, c'est que je les vois toujours dans les occasions. Ils s'enlèvent pas normalement quand tu les achètes? Non. Non, pas forcément. Oh, c'est 660 000, là, ça fait. Ah, il y a un souci, Chicha? Bah, je sais pas. Bah, écoute, je vais prendre le plateau, là, 17 000, là. Mais pas l'autoload, l'autoload c'est gratuit, il y aura juste à modifier si on veut mettre du sel. Ouais. Et je prends quoi comme masse? Ce que tu veux. Là, il faut un pulvé ou un sous-marin anglais. Pas faux. Combien de kilos? Bon, je vois, comme tout ça. Prends 1000 kilos? Ouais, prends une tonne, une tonne 5. Je prends deux d'une tonne? Ouais, vas-y. Ou une tonne 5, n'importe. Depuis quand, dans ce mois, il veut pas semer alors que la rotative elle est activée? Il faut activer le smore aussi. Non, désactiver la machine en semençant, donc y activer quoi. Ouais, mais t'as peut-être pas. Est-ce que t'as baissé ton semoir avant de baisser ton. T'es flexible du coup ou pas?
Non, j'ai pas réussi à mettre les flexibles, ça tombe, ça doit être. Alors, bah après, les flexibles, à mon avis, c'est plus pour les traceurs, mais. Ah, parce que t'as une roue. Une roue squelette sur le côté. Non, mais les traceurs, c'est des traceurs de. C'est jeton, quoi. Ouais, t'es traceur pour. Faut que tu repasses, tu sais, là, ce que ouais, t'es. Ouais, ouais. Un épandeur à engrais ou un PV, n'importe. On peut pas le monter, le descendre le semoir. Bah, mais il est baissé, quoi. Il y a des compacteurs devant. Ouais, à mon avis, il y a un bug avec les compacteurs. Ouais, je pense pas que ce soit compatible les deux. Bon, bah, je le décris au bord là-bas. GG, lance jumpy pour ton level. L'épandeur Amazon, il fait 42 mètres de large. Ouais, le petit. On peut le mettre en 27. On prend les petits, du coup. De toute façon. Oh, ouais. On va prendre un autre. 25 000. C'est là, je vois. On a un truc d'engrais à la ferme ou quoi? Non, mais on peut placer un silo aussi. Question, est-ce que du coup on prend quoi? On prend une sarcleuse ou pas? Ouais, ça marche comment ces bordels là? Moi j'ai jamais fait en fait. Ah, faut le faire au moment que ça pousse, quoi. La mauvaise herbe, c'est ouais. Ça. Quand ça lève, dès que tu vois la mauvaise herbe, tu passes et t'as pas un de roue étroite en fait. Oh! Faut que je remette une masse devant. Un petit peu léger. Non, mais j'ai posé la main sur le cul du plateau à la main, dans le plateau, il a fait le sauvage. Non, t'as pas dû te faire une catapulte. Attends, on va appeler le tracteur. Il en chie un peu le tracteur. Ah, surtout que tu sais, mais faut qu'on ramasse les pierres longtemps. Ah bah, non. Ouais, bah, je suis en train de décompacter là. Vas-y. Ah bah, attends, je ramasse l'herbe à côté. Je ramasse l'herbe comme ça, au pire, tu pourras venir décompacter directement en arrière. Ouais. Si ça il pète un pont avec le manuel. Du coup je prends quoi les gars? Je prends une sarcleuse ou pas? Ou on prend un PV? Est-ce qu'on aura le temps de mettre le coup de sarcleuse sachant qu'on en fout un 15? Ouais bah non je prends pas. Parce que nous faut qu'on enfin, on va être là que le soir quoi. Ouais, ouais. Ah bah de toute façon c'est tout le monde hein, c'est de 18h à minuit. Hein. Ah 1h. Ah c'est pas non-stop. Personne entre 1h du matin et 18h le soir. Le serveur continuera de tourner, mais il n'y aura personne qui a le droit de se connecter. Faut s'apercevoir qu'il y a du monde qui se connecte. Eh ben non, mais je vais prendre le hardy. Ça va chier des mille carrés. La fanaison des cultures, elle est désactivée au moins. Parce que si elle est pas, si elle est activée. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le mode saison. Ouais, mais même normalement, tu peux l'activer de base sans le mode saison. En fait, les gars, vous avez. Une réflexion apparemment depuis qu'il y a depuis le début du 22, t'as pas de fanaison des cultures. Si t'es pas en mode saison, c'est logique. Hein.
Ah et non. Bah oui, bah si tu veux la fraise dans la culture, faut te mettre en bonne saison, c'est logique, tout à fait. Ouh. Bon bah je prends le pulvé du coup. Par contre le pulvé on ira chercher les... Faudra ramener des palettes d'herbicides. Parce qu'on va pas mettre tous les machins tout de suite, on va plus en mettre une. Non mais tu peux sélectionner 15 combien tu veux en remplir. Non mais tu... Le truc de... Même pour ce qui est de... Des engrais et tout ça, c'est un chacun. Ah tu dis au machin, faut pas le remplir avant normalement le bordel. Le silo. Non, tu sélectionnes à côté, tu fais R et tu il te demande combien tu veux le remplir. Oh. Soit tu le remplis à fond, soit tu le remplis à 5000 ou un truc comme ça. Tu choisis. Ah oui, mais je veux dire, on va pas replacer un bâtiment à 25000 pour l'engrais liquide quoi. Enfin, l'herbicide, donc faut prendre des plaques. Chichal, hein, il est dans mon champ. Hein. Du coup, faut que je prenne des palettes d'herbicide ou pas? Ouais. Ouais, tu en prends deux bidons. Enfin, deux cuves. Ok, je vais le remplir. Tu vas réussir à faire ma descente. Mais là, le chichel il a réussi à ouvrir notre portail. Non. Non, t'as jamais été capable de l'ouvrir, lui il l'a ouvert, quoi. C'est quoi ce truc? Ah, par contre, moi ça va être possible si tout le monde passe à travers la ferme. Ouais, non, ça va aller là, faut qu'ils arrêtent pas de faire conneries. Ah putain, par contre, ouais, il y a pas mal de pierres. Hein. Oh. Parce que le chemin il est il est où le chemin? Ah bah attends, il n'y a pas de chemin apparemment pour le champ derrière. Aussi de regarder des chemins parce qu'il y a 150, 51, 30 et tout ça, c'est pareil. Bah ouais. Parce qu'il doit pas te marquer sur la map les chemins, c'est tout. Des petits chemins de terre. Et des petits chemins boueux. Ouais. Ouais, c'est parti, on fait le lancelage. Hop là. On va le sang. Tac. J'ai dit en plus à la chichette tout à l'heure, pardon, celle-là. Je rajoute dans le ring qu'il y a un... que les gens ne passent pas à travers les fermes des autres et tout ça. Oh, bah autres, non, ouais. Les gens ils vont pas le faire, on va le faire. C'est pour mieux le faire, le salaud. Ah, pas ça.
Attends, la croissance des cultures en fait. On peut pas le modifier ça. C'est des sales gosses. Ce sont des sales gosses. Je te fais un jeu con à la con, va. Bon, fais gaffe sur route avec les zigotos là, mais c'est. Ah bah, c'est simple, je vois pas où je vais. Hein. J'ai mis le pied levé sur le relevage avant, je vois pas où je vais. Hein. C'est cette map là qu'on a dû se prendre pour notre serveur. Que nos grands champs de terrain. Ouais, elle a l'air d'être sympa, ouais. Puis elle est pour l'instant, elle est fluide. Ouais, mais j'ai pas de soucis de. Ouf! J'ai un poil chargé pour le sector. Dès qu'il y a une petite bosse, un truc comme ça, il y a le cul qui a envie de me dire merde là. Et tu pouvais pas mettre une masse à l'un des états avant d'attacher le plateau? Bah j'ai mis les deux masses sur le plateau. Ah bah. Donc théoriquement il doit y avoir du poids sur le cul. Théoriquement. Après, le poids c'est que tu les as mises quoi. Bah j'en ai mis une à l'arrière, une à l'avant. Ouais, ça donne bien le poids quoi. Bah ouais, parce que la première que j'ai mis à l'arrière, ça a fait youhou le plateau. À catapulte. Alors les catapultes, heureusement qu'il n'y avait rien de posé devant parce que. Et il tire un petit Zetor. Hop. Ah, c'est il l'a tordu. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, il a tordu. Ah non mais dès que tu passes dans un trou, laisse tomber, enfin c'est la masse de derrière qui fait décoller ou je sais pas quoi mais. Attends, théoriquement, j'ai mis les pandeurs en grès devant, j'ai mis les deux. Les trois cuves. C'est dans la perne. Les trois cuves. Il y a pas les sangles là. Hein? Non, si ça fait gaffe derrière la perne, s'il y a pas les sangles là. Oh, ça bouge pas, hein. T'es collé dessus, mon gars, les sangles. Mais normalement, si le jeu était fait comme il faut, j'ai centré le poids. Je comprends pas pourquoi ils aient enlevé les sangles. Bah ce qu'il y a, c'est qu'il y a les sangles sur les palettes, ça va, mais tu peux pas sangler le matériel. C'est un peu con, je trouve. Ouais. Ah, tu peux sangler les palettes quand même. Ouais, les palettes, tu peux. Ah oui, mais c'est des. C'est des plateaux roulants que t'as pris. Ouais. Mais c'est un plateau de base, t'as plus les sangles. Si. Ah bah, ça dépend les plateaux, hein, mais. Y a quelqu'un qui peut dire à Chichon qu'il a oublié de brancher les flexibles, c'est pour ça qu'il avance pas. Il est bloqué à 13 km/h. Ouais, j'ai dit. Le modèle manuel attaching, la fois qu'on l'enlève, tu vois. J'ai fait ce point de mettre pour faire chier tout le monde. Bon, on s'en fout, on a l'habitude de jouer avec. Ah là, bizarrement, il va plus vite.
Par contre, il repasse dans la ferme, je fous les tracteurs et tout ça tout en travers des passages pour que plus personne ne passe. Ouais. Oh putain, il est déjà 22h15. Oh. Allez. J'ai pas vu l'air, moi. On a pas énormément de temps à choisir le matos et tout. Donc... Et puis après, je suis arrivé tard aussi. Le patron qui se décide à la dernière minute, oh, cet après-midi on sort le fumier des genisses. Hein, quoi, y'a rien de prêt. La benne était même pas attelée, le poids derrière le tracteur avec le chargeur était même pas attelé. Le FN, vous l'avez revendu? Oui. Ouais. Vous avez gardé le chargeur? Ouais, il est là. Ouais, je l'ai dit qu'on va le chargeur qui fait prendre justement le. Il y a un petit souci. Aussi, de quel genre? Par contre, il y a un truc qu'on a pas acheté, c'est les piques à la palette. Ah ouais. Faut pas brancher de flexible sur le chargeur? Non, sur le bras non. Ça se branche automatiquement quand tu connectes. Bon bah, dis-donc, c'est qu'ils sont modernes les tracteurs. C'est des flexibles en Wi-Fi, t'en fais. C'est ça. Les genres de soucis encore. Sérieux? C'est collé au plateau. Oh merde! Et si tu fais réinitialiser le plateau? Ouais, faut t'en aller chercher aussi. Ah, ça va. C'est pas grave, ça va me pire. Ouais, vu qu'il te faut des fourches, il va falloir y aller quand même. Les fourches à palette. Baisse, mon dieu, baisse! Bon, si t'as pas voulu y aller avec un plateau, tu es avec le tracteur et une petite fourche, quoi. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je ramasse mon herbe. Et moi, pendant ce temps-là, je chante dans les bruits. La. Tu fais pour voir tes outils, tu peux demander. Elles sont peut-être pas activées dans ton. Ah non, mais c'est que je suis pas sur la carte. Réinitialise le plateau. Bah, bien. Et t'as tout fait crash. Moi je peux plus bouger. Bah moi je peux plus bouger non plus, mais je vois mon labour avancer. Allez, ça t'a pas dit de tout casser. J'ai rien fait. C'est pas moi. C'est le plateau qui est bugué, c'est pas moi. A tout casser, Sef. Oh fouf. Erreur pour running et l'UA méthode. Ah, moi je peux me TP, mais je peux pas me. Warning script. Un idée. For objet méthode, calcul distance from. Ah, je crois que ça va être crash. Tout cassé. Ah, tout cassé, monsieur. T'as réussi à casser le serveur, Alex, ça faut le faire. Ouais, je suis fier. Bon bah, en attendant, je reviens, moi.
Hop. Mais c'est pas les droits, c'est pas les verts. Tout cassé le gars. Tu vois le salade? Ah, ça va s'y couper. Allô? Oui. Ah, c'est bien le salade. Ah, j'ai fait une save avant de nous faire kick, donc c'est bon. T'as fait une save avant de? Avant qu'on se fasse tous kick, j'ai réussi à faire une save, donc j'espère que ça va sauvegarder. Hop. Oh, c'est bon, ça sauvegardait. Là, c'est le plateau qui a pété un câble. Mais du coup, t'as les outils à la ferme Tout à ou? la ferme. C'est bizarre que ça. Hein. Et le plateau, il est où alors? Ah, bah, t'avais combien de. T'avais pris combien de cuves à. En gré liquide? Ah, des arbres. Ah, c'est les deux qui sont rangés côte à côte. De l'autre côté, le tracteur. Et t'as un qui est devant avec les masses. Et devant toi, t'as le. C'était pas du tout là. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrivait déjà. Attends, on va se reconnecter. Je pense qu'il faut pas mettre les outils sur les tracteurs, sur les plateaux roulants. Ouais. Du coup, il est à Oh, il y a la un ferme. conceveur Il est à la. Re. maintenant. C'est bon, c'est plus cassé. Oh, c'est bon. On n'a rien perdu au moins. Non, c'est bon là. J'ai réussi à save avant de le faire kick. C'est qui, c'est Audrey? Hop. Chad est en train de se mordre les dents. Peut-être, j'espère que ça va tout. Parce que je lui ai dit que c'est arrivé des fois qu'il ça crache et qu'on perd tout ce qu'on avait fait. Ouais. Ah, j'espère que ça va pas cracher. Puis quand tout perd, j'espère. Puis si c'est le lendemain, c'est pas gênant, mais quand c'est le soir même, c'est chiant. Tracteur, je peux pas bouger. Bon, moi aussi je peux bouger, c'est toi qui as problème là, Alex. T'as encore tout cassé. Ah, je suis bugué quand je sors du tracteur. Fais une décor go. Hop. Chicha, il veut passer dans ta ferme. Dans la ferme, Kaz. Ah, par contre, y a chicha dans la ferme. Qu'est-ce qui bloque la route?
Je veux le rendre fou. Il va gueuler sur son live. Oh putain, qui c'est qui a une queue en carton? Alex. Ouais, c'était déjà comment? Attends. De sale gosse. Tech. Bien, on peut toucher. Oui, d'accord, les godets, tu peux les. Bon, je vais chercher le plateau et puis je prends un lève palette. Essaie de pas faire tout bloquer ce coup-ci. En le chemin, il est là le chemin. Ah non, même pas le chemin, il va jusqu'au champ de derrière et c'est tout. Il y a pas d'autre chemin en fait, ils ont pas le choix que de passer par la ferme. Si, t'as un chemin là, ah bah non, t'as la ferme. C'est mal foutu son truc. Attends, et en haut, il y a pas d'autre chemin en haut là? Non, il y a pas d'autre chemin en haut non plus. C'est un peu con, ça passe par les bois là. Non, ouais, ça passe pas, même par les bois, y'a rien. Ouais, c'est mal branlé. Hein. Ah ouais, mais ça a du monde qui passe tous les 4 matins ici, ça va vite me gonfler. Hein. Mmh. Ah si, il y a une autre ferme. Il faut qu'on fasse un chemin dans un endroit au pire. Hein. C'est si, ils peuvent passer par la ferme du haut là. Ça, c'est ce qu'il faut faire. T'achètes les clôtures et tu mets une porte. T'as bien des clôtures à placer. Ouais. Non. Ouais, si, t'en as. Avec des portes qui s'ouvrent, non? T'en as pas? Non, c'est des portes qui se ferment. Allez, ta gueule, elle se ferme de temps en temps. Pardon. Ça sort des coups. Ça sort délicat. Ah, des fois comme ça, ça part tout seul, tu t'as pas le temps de le retenir. J'ai de le rattraper. Bien, le champ qui est en haut, là, qui est au-dessus de nous, c'est quel champ? Hein? C'est 51, le champ qui est où je suis à côté, là, en haut, là. Je sais pas. T'es où, toi? T'es en tracteur? Non, je suis à pied. 53. C'est dommage que tu puisses pas accéder aux radios normales sur le jeu. Bah si, on peut se parler les uns les autres, puisque tout le monde a. Non, mais la radio, la musique dans les tracteurs, machin. Ah bah si, tu peux les mettre. Ouais, mais je sais plus comment. Faut mettre faut choper les liens sur internet et puis faut mettre dedans. C'est comme les modes. Première fois quand même que j'ai utilisé un Zetor dans le jeu. Hop. Du coup, on déplay. On active, on baisse. Mais en vrai d'ailleurs. Ah putain, je me suis encore trompé de touche. J'ai connu un paquet de marques. C'est fort. Zarmé.
cochon, nous le bois aussi, sont comment les méchants nous. Écoute combien ces gens-là? Là, vous l'avez vendu la moissonneuse au fait? Ah non, je pensais que c'était à nous la moissonneuse. Elle est dans l'hangar à la ferme. Bah, si tu veux la réinitialiser, au pire, je suis au truc. Moi. Non, mais elle est pas à nous, c'est la location. Ah, si t'es plus sélectionné sur le chargeur maintenant, tu peux pas l'utiliser? Ouais. Et quand t'as une croco, tu fais comment alors? Bah si, quand t'as la... Quand t'as les... Toi t'es sélectionné à l'avant, tu peux te servir de ton godet et tout ça. Fait noise. Tac. Ah, c'est toi, on a récupéré. De tout à l'heure. L'herbe que tu fais là, qu'est-ce que tu la vends? Non, je la mets dans le silo pour la faire l'ensilage. Je peux pas en ramener au BGA? Si, je vais la vendre là, je vais le vendre après. Ah oui, c'est vrai, c'est après que ça fermente.
la coupe à main, ça rend aussi. Ah mais la coupe maïs on l'a racheté. Ah vous l'avez acheté la coupe maïs. Ouais je me suis trompé, je l'ai acheté quand même. Bon moi je vais m'arrêter là. Il y a des choses qui vont pas que ça. T'as fini de décompacter du coup? Ouais je suis en train de finir. Oh. Ouais, toi aussi t'as eu le petit lag. Laisse descendre tranquillement. Hop. Je suis comme un russe devant nous. Hop. Il est où le savoir du coup, Lota? Il est à l'entrée du champ 56. Mais il faut ramasser les pierres avant. Le masque de ta coque à s'almasser toi? Ouais, j'en suis comme un russe avec le masque à monter là. Hein. J'allais dire prendre le temps mais ils ont la Allez. Lève tes fourches. Hein? Lève tes fourches. Pourquoi? Bah ça a pu être des fourches avec des aiguilles. Mais elle touche pas seul hein? Bah moi je les voyais toucher le sol. Ah bah elle touchait pas de sol. Moi j'étais à ras le sol. Ou je crois qu'il y a des bugs de synchro sur cette map. C'est tes lunettes qui ont un bail de synchro. Shisha demande s'il y a le mode qui fait disparaître les arbres quand tu le tronçonneuses, quand tu le tronçonnes. Non. Ah non, le bois, faut le vendre. S'il y a le mode de quoi tu dis qui... Quand tu tronçonnes un arbre, ça fait disparaître complet. Non, et puis le bois il a pour le faire, hein. C'est une culture, faut qu'il déverrouille. On va qu'à ramasser la pierre, ils sont eux. Au pire, faut prendre la grosse, hein. On aurait dû prendre la grosse hein, quand même directement, non? Bah oui, c'est bon, on va ramasser 2 mètres à peu près. Et l'autre c'est 5,50 m. Donc 52 000.
Et la petite, toi, ouais, c'est 2 mètres. Bah, au pire, ah, bah, si ma tâche est montée. On revoit la petite et puis on prend la grosse en plus. Ou si on n'a pas fini. T'as vu. Non, peut-être le miroir. Non, mais. Je pense que tu peux pas. Tita. Allez, monte. Allez, monte. Par contre, demain soir, je crois que t'as pas le champ. Faut genre fauche pas le champ, du coup. Ouais, on le fera directement. Ah, mais le maçon ça aura repoussé. Ouais, t'as pas fini, mon pauvre. Ah, bah j'allais me coucher avant. Hein. Tic-tac-tic. Par contre, le massif, le port est bugué à la marche arrière. Normal que ta machine elle traîne à terre complètement. De quoi? Bah la barre d'attelage. Ou c'est parce qu'elle est vraiment à ras de terre? Bah ça doit être bugué, ouais. Bah ouais, parce que tu dois pas, je suis sûr que tu dois perdre de la puissance à cause de ça aussi. Parce que moi là je la vois appuyer sur l'attelage de car et carrément en bas. Et elle se relève même pas. Bloqué, ce truc. Ah ouais, tu la vois où toi la barre? En bas, au sol. Carrément au sol, ouais, comme moi. On t'a voir. Le plateau qui est en bas. Le pont à la place du piton d'attelage. Ouais, bah pareil. Ouais, elle est accrochée tout en bas. Hein. Après, elle touche pas le sol. Hein. Il y avait un arbre là. Ah non. Il y avait un arbre de quoi? Ah non, moi si j'étais de l'autre côté, je voyais l'arbre, c'est pour ça que je me suis dit à taper dans l'arbre. Ah, moi, remarche, moi. Hein? Bah, touche E, remarche. Il faut le tasser, l'ensilage. Ah, bah, attends, j'ai pas fini. J'ai point fini. Après que je regarde pour mettre une boule sur mon volant, moi. Ah, il y a beau jeu qui touch. Bah non, mais quand il est là au boulot.
Avec le chargeur, c'est super pratique en fait. Bon bah la boule, ça serait pas très top. Ouais. Bon après, ça se fait sans. Hein. Mais... Ouais, mais quand tu y as goûté. C'est plus pareil. Vas-y. Bien. Et que je regarde pour en faire une en 3D. Hein? Que je regarde pour en imprimer une en 3D. C'est pas cher. Bah, le tracteur. J'ai la machine pour faire donc. Ah bah, c'est sûr. Par contre, pour un système, il faut qu'elle tourner quoi. Bah, tu prends. Ou bien tu la vis pas trop fort quoi, avec un écrou-frein. Ouais. Tu mets un écrouille. C'est un écrou, ouais. Écrouille, ils sont plats dessus, puis en fait tu mets un écrou. Tu passes un écrou en haut et un écrou en bas de la barre, et puis hop, tu as ta roue libre. Surtout que j'ai reçu mon fil ce matin. Du filament pour l'imprimante. 3D. 2 kilos de fil. 400 balles. Non, même pas, 40 euros. Ah, toi, j'étais pas loin. 1-0 près. 1-0 près, ouais. Avec la livraison. Et quand tu vois ce que tu fais avec 1 kilo de fil. Après voilà, tout dépend ce que tu imprimes quoi. Tout ce que tu imprimes, bah, après le taux de remplissage et tout ce qui s'en suit. Donc, là quand tu vois ce que j'ai fait, je me suis fait deux supports de téléphone RAM pour mon réfractaire. J'ai gagné 160 euros quoi. En fait, si tu veux, t'as un logiciel, enfin t'as des sites internet qui te donnent directement les programmes 3D. Ouais, donc une fois que t'as les programmes, tu le mets dans l'imprimante et puis vas-y. Hein, ouais, ce que je voulais dire par les codes. Bon, c'est sûr, des fois c'est long à imprimer. Hein. Des fois pour des petits trucs, tu mets 7 heures, 7-8 heures. Quand tu vois ce que tu gagnes derrière. Est-ce que d'ailleurs pourquoi ça le consommer énormément d'électricité? Bah, j'ai jamais regardé, mais je pense pas que ça doit. Bon, c'est la résistance pour faire fondre le truc et tout. Bah, pour faire fondre le filament, enfin le filament que j'utilise, moi il monte à 200 degrés. Et j'ai le plateau qui chauffe en permanence. Après, à 60. Une fois qu'elle est chaude. Une fois qu'elle est chaude, ouais, voilà. C'est pour la monter en température que ça va être bon. Bah, même pour la mettre. Mais pour la maintenir. La température c'est vrai, mais c'est moins énergivore. Parce que c'est vrai, mais c'est quoi, c'est une résistance? Bah je sais même pas, non, c'est une petite buse qui chauffe quoi. Ah, ça va être une résistance. Ouais, c'est une résistance dans la buse. La résistance à mon avis de bien consommer. Même quand ta température. Ça fait comme les grippins. Parce qu'on appelle les grippins les radiateurs grippins, hein. C'est la résistance dedans, même quand t'as sa température, mon gars, comment ça consomme. On sent à partir du moment où c'est une résistance. Ça résiste. Bon, ben voilà, ton stylo il est assez calme. Il vient de passer les cailloux, putain. Vraiment à ramasser. Ah bah au carré. Oh, j'aimerais pas en faire ça. Ça doit être long. C'est chat qui fait ça? Non, des petits bols carrés. Oh, tu presses aussi vite qu'une presse à votre ronde, hein, ou une presse à votre carré de conseil. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça va vite. Hein. Non, je pense pas. Ah, ta machine est bien réglée, de toute façon, tu t'arrêtes jamais. Tu tournes pas tant. Ah ok, bon, bah après les petites bottes je connais pas du tout. Depuis genre c'est ramassé.
Ah ça oui, et ramasser j'ai déjà fait ça. On va dire qu'au soir t'as des bras. Comme mon pote, ce soir il a... Après le différent, il en vend plus des bottes que ça, mais... Construire une pinte avec une ancienne herse. Ah ouais, bon oui. Enfin, lui il s'est fait la pince, il s'est fait un monde pote spécial pour sa pince après. Et du coup il est charge 4x15. Ouais, il gagne du temps quoi. Il a fait un coupeur, il a fait un coupeur de boîte lui-même sur un ancien. Pour qu'il t'ait pas levé. C'est qu'un Mathieu. C'est un des chômeurs ça là. Non, un Mathieu c'est un coupeur à boîte en vrac. Tu sais, les petites boîtes carrées, t'as un canal et t'avais des coupeurs de boîte derrière. Oh. Et en gros, t'avais un coupeur de boîte avec une rampe qui s'atténuera de. Il remonte le terrain. En fait, l'avancée des bottes dans le canal fait pousser les bottes en montant dedans et ça tombe dans une cage derrière. Et quand la cage est pleine, tu tires une corde et puis tu bouges. Ah ok, ouais, je connaissais pas du tout. Il a modifié ça, il a gardé la... Ça sera le plus qu'il avance pas. Et derrière il s'est fait un plateau avec cinq couloirs. Okay. Avec des trappes d'auto-fermeture et tout. En fait quand les toutes premières... Un système de balancier, t'as les trois premières boîtes qui tombent dans le premier canal. Après, quand le premier canal est rempli, la dernière boîte elle ferme la trappe, et ainsi de suite. Et ça remplit les cinq trucs comme ça. Et après, il tire sa petite boîte en carré au sol à plat. Et il s'est fait une fourche avec une ancienne herse, des petits crochets avec deux vérins en fait. Des rampes de crochet avec deux vérins et il arrive avec sa grosse pince. Il a pété elle est faite en L en fait, la pince. Ouais. Et il pousse dedans, il pousse dessus, il met sa pince et il change son chat. Allez. Il a tout fait ça du bleu. Allez, les bleus. Non, allez, le rouge. Allez, le rouge. Il a fait un camion aussi en soudant, en machinant. Il a de l'ordre dans les deux. Ah bah, il y en a pas beaucoup des gens comme ça, hein. C'est vrai, il a deux camions en même temps. Il fait du transport de taille, du coup. Il a tout refait son plateau de camion, tout seul. Il s'est soudé des crochets pour attacher les sangles pile aux endroits qu'il a besoin pour ses boîtes de taille et tout. Ah non, mais c'est un truc nickel. Bah, tant que ça lui permet de gagner du temps. Bah à mon avis, je pense que les petits potes carrés, il a gagné du temps parce que, alors il ne le fait plus maintenant, mais pendant longtemps il faisait des petits potes carrés puis il les vendait pour l'isolation, tu sais. Ouais. Alors là, c'est jackpot. Il a livré un camion, enfin un poids lourd semi-remorque de potes carrés pour une maison. Oh putain. Faire d'isolation en paille. Les mecs ils faisaient carrément les murs en paille. Ils faisaient ouais, ouais, des torchis de chaque côté et ils enfilaient des bottes de pour l'isolation. Mais il dit je suis arrivé là-bas, les mecs, ils étaient trois. Quand ils m'ont vu arriver, ils ont pris peur. Parce qu'il est arrivé dans un petit dans une ville, et il arrive avec le porteur et l'armoire. Je vais essayer la remorque, je vais tout faucher et puis ramasser après parce que... Et puis c'était pas 7 ou 800 qu'il y en avait en tout. Tchèque. Bah tu sais, des petits pots de carré, c'est quoi, ça fait 25 de haut par 50 de large. Oh, j'allais beaucoup plus vite. Hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bah tu sais, sur un semi-remorque, t'en mets déjà. Je vais tout faucher, je vais tout ramasser après. Ouais, peut-être pas tant. Ça va être tranquille. Et les mecs, c'était que 3, ils pensaient que ça allait se décharger tout seul. Ah non, mais il faut les décharger à la main. Puisqu'est-ce qu'il faut les stocker autant de boîtes pour faire une maison? Ah bah oui, puis il faut que ça soit au sec. Ça fait du volume. Ouais, j'ai 23 heures. Ça, c'est les mecs un peu écolo qui ont une idée. Oh, tiens, on va faire comme ça.
Point d'interrogation drôle. Putain. Oui. Ouais, j'avance à 10, pas plus. T'aurais dû prendre le. Ah non, tu pouvais prendre deux faucheuses. Ça passait pas avec la. Ah, j'avance plus vite avec la faucheuse simple qu'avec le. Qu'avec l'auto-chargeur. Bon, de toute façon, je vais pas tout lui faire parce que. L'heure qu'il est déjà. Oh, tiens. Ouais, bon, moi je vous laisserai, genre. La bonne nuit à demain. À la bonne nuit. Hop. Hop. Bon, on va tout en fait faucher. Oh, tiens. Et puis c'est bon. Je prends la faucheuse et après
coup le maïs vous l'avez stocké non? Je crois que c'est la fin de l'année le prix le plus intéressant. Je crois. Hop. J'ai un gros V comme ça en plein milieu. C'est pas logique. Allez, hop. Ça je la rends. Merde, putain, quel con. Hop. Bon, il ne reste plus qu'à ramasser. Ouais, Mu elle est avec Ced et puis Ben. Et pas là, du coup, Ced, c'est ça. Il est pas là au début de semaine, je crois. Il est pas là ce soir et demain. Ah, ça va mieux, je suis à 8. Non, ce soir, Mu est pas là, non. Des remontes. Il monte ou il monte pas? Il est en chien. On fait un tas de pierre qui part du coup ou pas? Ouais, ou on place la machine directement. Hein? Ou on place la machine directement.
Attends, je vais voir combien qui coûte. Vingt-cinq mille écoute. Vas-y, place là. Alors par contre, je me suis aperçu que là, on pouvait pas placer là, dans la partie là. Enfin si, on peut placer, mais on peut pas y... à moins qu'on puisse y accéder par la... par l'espèce de L. Une chier de bâtiment dans cette machine, c'est impressionnant. Attends, je fais ça, c'est ce que ça supprime. Non, ça supprime pas. Si je fais ça, si je fais ça, non, ça supprime pas. Là par la L, côté là, Alex. Non, moi d'être. Ouais, ça. Faut qu'on, Parce qu'en fait, ça c'est l'emploi de cochon, je pense. C'est pour ça que tout est fermé. Non, tu crois pas? Possible. C'est comme le bâtiment sur le côté, c'est le bâtiment à cochon et qui s'est ouvert par là, donc. Il nous reste une benne à faire. On peut pas décharger directement. Ah bon? Non. Il faut mettre ça dans une benne avant de. Bon, on fait un tas à côté et puis on prend le chargeur au pire. Hop, ça c'est béni. En terraforming, tu peux pas enlever les la haie là qui a quand Non, j'ai essayé mais ça marche pas. Ça comme elle a pas de collision c'est comme l'herbe, l'herbe elle se couche quand tu roules dessus. Et là ça se couche pas donc à mon avis comme il n'y a pas de collision tu peux pas l'enlever. Mais vraiment ça passe là-bas. C'est sympa. Bon, les champs sont relativement carrés par contre. Ouais. Bon, ça peut rendre les ouvriers moins cons, ça. C'est quand c'est la semaine dernière, vendredi ou jeudi dernier. Oh, j'ai vu un tout petit nylon mon gars avec un chargeur avant et le mec il avait un poids à l'arrière mais un poids maison, un gros bloc de béton. À chaque fois qu'il mettait le accélérateur pour avancer, tu vois les roues avant elles décollaient. J'ai dit t'as rien. Mais la taille du bloc, quoi. J'ai déjà halluciné que je suis mais il prend bien. Hein? Il faut pas exagérer non plus sur les contrepoids. Ouais, mais le mec il va. C'était un truc qu'ils avaient sur un gros. C'était un autre gros tracteur. Et... Ouais, ou le mec il forçait. Alors, c'était pas en bel état le New Zealand, hein. C'était pourtant pas un machin bien vieux, mais.
Là, à mon avis, le mec il doit surcharger la chargeur d'avant. Alors, il met un gros polarien pour pas avoir merde, parce que le chargeur il va rester en bas. Quoi. Ça, le machin était tout défoncé devant, il y avait comme de partout sur le devant, les tracteurs et tout. Quoi. C'est fou. Hop. Bah, du coup, tu as ramassé beaucoup de pierres. Oh, mais ça va faire 4000 litres de chaud, je pense. Ouais, je crois que ça c'est 1000 de pierre, ça va faire 4000 litres de chaud, je crois. Ou 2000 litres, non, je crois. On se voit, on va avoir 8000 litres de chaud. Tac, on aura 10. Hop. C'est vrai, j'ai celle-là à ramasser aussi. J'ai celle-là à ramasser. Ok. Millilitres de pierre, 4000 litres de chaud. Ouais, c'est ça. Là, ça nous fait des 8000 litres de chaud. Quoi. Il faut de l'eau, apparemment. Ah bon? Je vais y mettre de l'eau. Peut-être foutre un ouvrier à labourer le champ d'herbe. Il va être payé aussi. Hein? Il va pas arriver de tourner en bas. Non, mais je vais le mettre dans l'autre sens. Les S sont pour collision. Je vais le surveiller, mais. Je vais acheter une bonbonne d'eau, puis je vais faire le plein de machin. Ouais. La bonne nuit. Ouais, bah ouais. Bon sport. Bon, allez, la bonne nuit, tchou. Bien, j'ai appuyé sur quoi? Ouais, d'accord.
Tu me fais quoi toi? Hop. Ah, pour le fait qu'il passe, lui, il va encore passer par la ferme. Hop. Quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept. Charger si j'ai rien déchargé que c'est bon si je fais 3% à chaque fois. C'est bon. C'est assez. Alors, tac. Allez. C'est bien, tiens. Il passe là. Ah, ça va vite me gonfler ça, par contre les gens posant les fermes comme ça. Hop. Le décompacteur, il l'a mis où? Là-bas, je crois. Ouais. Tac. Okay. Yep. Oui, on va voir si pas trop débile.
Hop. Prendre mon tracteur. Et chercher. Là qui va où? Je vais acheter que quand je vais arriver là-bas. Pour que ça gêne tout le monde. Et c'est parti. Je suis à fond. Ouais. Ça reste des merdes bien donc là. Bon, ça va être bon. Ah ouais, par contre en x15 ça va aller les thunes qui vont pop tous les 4 matins. Après ça va en x15, je pensais que ça ferait trop vite mais non ça va. Ça reste assez je vais mettre ma map, hein, que je vais essayer du monde qui arrive quand même. Il est bloqué par un objet. Bloqué par quoi? Je vais le faire arriver au magasin aussi. Hop. J'ai jumpé pour ton level up. Level 20. Hop. Tac. Donc on a dit. Ça va être dans animaux. Celle-là. 2000, 6000, 7500. 8000. Après ça fait trop gros. C'est con, Robin, ils en ont pas fait là. On va prendre celle-là. Tac, 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 tac. Et l'eau, par contre, elle chope l'eau aussi. J'avais pas fait qu'un s'il y avait une rivière ou un poids d'eau sur la map. J'allais voir mon ouvrier aussi à la con. Pourquoi tu te mets comme ça toi? Ah bah c'était bloqué par ça, tu veux pas faire demi-tour. Mais quelle tâche sérieux. Ah non, c'est le... D'accord, c'est ce mort derrière qui est bloqué. C'est bon, j'ai capté. C'est lui qui me célèbre de faire demi-tour en la faire demi-tour dans les champs quoi. Alors, un point d'eau. Où c'est qu'on prend de l'eau sur cette map?
Ça c'est la route, la route. La route. C'est quoi ça? Filature. Point du raisin. Ça c'est chez les gars. On va pas aller là-bas. Le point sport. Ça c'est chez Chicha. Là où c'est chez du monde aussi. Est-ce qu'on a un point d'eau la ferme? Est-ce qu'il y a un point d'eau quelque part maintenant? Hop. Ça c'est quoi ça? Bon, ça c'est le lisier. Ça c'est l'essence. Hop. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est la... litres 500 euros. Oh la vache. Ok, tac. Là bas non, là c'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas. Il n'y a pas de point d'eau. T'es sérieux qu'il n'y a pas de point d'eau ça? Tac. J. Hop. Vas-y. Hop. Cherche un point d'eau. Un point d'eau. Ouais. Ouais, il y a qu'il faut les Américains. Hop. Il n'y a pas de point d'eau. Je vais dire si, mais non, c'est pas un point d'eau ça. C'est pas un point d'eau non plus. Putain, il n'y a pas de point d'eau quoi. Y a pas un seul point d'eau. Oh. Y'a pas un château d'eau quelque part? Il doit bien y avoir un château d'eau quelque part quand même. Ça c'est quoi ça? Non. Ah si, il y a un point d'eau là. What the fuck. Où c'est qu'on peut passer? Là, là. Là. Donc là ça va la ferme, pas la peine. Ici. Là en route là. Ok, si c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah, il a encore acheté un champ. Je suis à 120. Tid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 
après c'est à droite ou c'est en face? On va pas prendre à droite donc c'est tout droit. Et là c'est où? Oh putain, il y a des tours quoi. Je regarde s'il n'y a pas une route qui va vers le champ 25 là. Hop. Et voilà, on arrive au point de haut. Est-ce qu'on peut prendre dans le point de haut au moins? J'espère. J'aurais tout fait ça pour un. Tu peux rien faire seul. Bah si, tu peux travailler seul. Heureusement que tu peux faire des choses seul. Attends, il va pas le jouer. Hein. Par là, où c'est que ça mène? Voyons bien. Je crois que ça va être au champ 16 là. Ah non, ça monte pas ce côté là. C'est quoi qu'il y a là? C'est quand on est ferme ici? Bon. Ah non, ça va pas devant ça. C'est un point de vente là. D'ailleurs, un passage près de la ferme. Ah bah oui, c'est la Syrie. Ok, d'accord. Et voilà, et moi je suis passé chez personne. Ça m'a fait un peu de détour, mais je ne passe chez personne. C'est j'ai horreur de ça, de passer par les maisons des gens, les champs des gens. Quand vraiment t'as pas le choix, je suis d'accord, mais quand t'as le choix. C'est les multis, c'est pas les solos quoi. Mmh.
Hop, je suis en trop. Ah oui, bah non, de toute façon, j'ai pas le choix. Tac. J'ai l'impression d'être à pied, quoi. Après, c'est pas un. J'ai l'impression que c'est le chat qui fait laguer quand tu. Quand tu veux bien. Putain, j'ai cette musique de merde en tête là, c'est affreux ça. Allez, adresse toute. Il y a un truc que j'ai remarqué, il n'y a jamais de mission de canne à sucre ou de peuplier. Il n'y avait qu'une map qui le faisait, que c'était sur FS19, c'était une map multifruit. Donc là tu avais des missions de peuplier, pas de canne à sucre. Hop là. Je savais bien qu'il y a un passage là. Hop. Et voilà. On l'avait où la flotte là-dedans? Se place à peu près, non? Ah oui, il y a un robinet d'eau là-haut. Hop, j'avance mieux. Ah, est-ce que l'eau se baigne derrière? Là. Oui. C'est quoi ce graphisme dégueulasse là sur l'arme là? Attends, t'as déjà tout picolé là? T'es sérieuse? Oh. Ah ouais. Ah bah ça reste là. Hein. Oh
Ok, stockage. Ok. Elle active là, non? Litres de pierre plus 1200 litres d'eau, ça nous fait 4500 de chaud. Donc là, ok, est-ce qu'il faut donc on va avoir 4000 un peu plus de 4500 de chaud. Oula, oula. Tu te calmes, Maurice. Ah, par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas un passage pour aller là, au cochon. Même là, là, il aurait dû faire un chemin. Il y a un chemin qui revenait là. Pour aller ici. C'est vrai que là, le chemin, il passe là. Il mène chez nous directement, quoi. Même celui-là. Celui-là, c'est pas un, il mène chez nous directement. L'Italie est la partie pour revenir chez nous. Voilà. Je fous des portails. Sérieusement, s'ils en ont rien à foutre, bah ils en ont rien à foutre, hein, moi je vais faire pareil. Et puis c'est tout. Quand j'aurai besoin de passer chez eux, je passerai chez eux. Enfin, moi je vais faire comme Alex il a dit. On va foutre des barrières. Elle arrive à se planter dans le passage en plus. Oh les douilles. On verra ça en neuf. Bon, allez, moi je vais m'arrêter là. C'est quoi les 7500 autres là encore? 13500. Construction 25000. Nouveau véhicule 11000. Bah, ça c'est la citerne. Pourquoi 11000 au fait? Je sais pas. Paiement des salaires, on s'en fiche. Intérêt du prix, on s'en fiche. C'est quoi les autres là? Ouais, enfin bref, ouais, on verra ça plus tard. Tac. Tac. Hop, bon bah les gens, je vais vous laisser là. Je vous dis à la bonne nuit. Et alors, à bientôt. Tchou.